Bienvenue à tous, bienvenue au Design Spot donc, pour le webinaire donc, sur design et sémiotique avec Samuel Grange. Donc, je vais passer au fur et à mesure, faire une petite présentation du Design Spot. Donc, j'attaque directement, comme ça, il y en a certains qui m'ont déjà vu, donc je vais passer assez vite là-dessus. Le Design Spot, déjà, c'est le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Donc, ça a été créé pour accompagner l'ensemble des acteurs de l'université, à la fois des laboratoires et des universités. Donc, vous avez 14 établissements, donc 7 établissements d'enseignement et 7 établissements de recherche. Vous avez les logos juste en dessous, en bas de slide. Donc, c'est 20 écoles doctorales, 300 laboratoires de recherche, 5 000 doctorants, 15 000 chercheurs, 65 000 étudiants. Avec donc une ambition, faire briller l'excellence scientifique française à l'international. Donc, le Design Spot, on a été créé pour accompagner l'ensemble de ces acteurs. Alors, nous sommes situés sur le plateau de Saclay. Donc, le plateau de Saclay est en pleine mutation en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont en construction, beaucoup de laboratoires, d'universités qui arrivent au fur et à mesure. Il y en a déjà beaucoup. Hein. Vous en voyez quelques-uns ici. Donc, le CEA Nano Innov, où nous sommes hébergés, hein, le bâtiment que vous voyez en haut à gauche. Ensuite, vous avez EDF Lab, et puis après les autres établissements, donc des universités. Par exemple, on a Agro Paris Tech qui est en train d'être construit juste devant chez nous. Voilà, donc là, c'est vraiment en pleine construction, donc ça monte en puissance au fur et à mesure. Donc, on a plusieurs missions au Design Spot. Donc là, vous voyez, c'est l'intérieur des locaux du Design Spot où je suis actuellement. Dans ces locaux, on peut faire de la sensibilisation au design, on peut faire des workshops. Donc ça, c'est une de nos missions, sensibiliser au design l'ensemble des acteurs du plateau. Cette salle est à disposition. Voilà, il suffit de nous appeler pour pouvoir en profiter et organiser des sessions de formation, de workshops, d'ateliers, etc. Alors toujours sur notre mission d'accompagnement et de sensibilisation au design. Donc, on a trois modules, l'indispensable, alors qu'on faisait initialement en présentiel, mais qu'on fait maintenant en distanciel. L'atelier qui est pour l'instant suspendu, où là, c'est une demi-journée, donc les deux, hein, c'est trois heures de temps. L'atelier, on fait de la sensibilisation au design, où on va plutôt travailler sur des produits existants, faits par des designers. Et puis ensuite, les spéciales qui se sont transformées en webinaires. Donc, c'est des webinaires thématisés, où on associe donc, des experts qui sont en lien avec le design dans différents domaines, sachant qu'aujourd'hui, c'est la sémiotique avec Samuel Grange. Donc ici, c'est pour vous montrer les prochaines sessions. Donc, on aura la prochaine session, ce sera design et propriété intellectuelle. On aura ensuite design et fabrication additive. Et une session qu'on doit organiser, une table ronde sur retour d'expérience sur des projets qu'on a accompagnés avec des porteurs de projets pour montrer justement tout l'intérêt de faire appel à des structures comme le Design Spot pour intégrer le design dans des projets qui, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'intégrer le design. Alors, l'ensemble des sessions que nous faisons en webinaire sont disponibles sur notre site internet, donc vous pouvez les revisionner, et c'est le cas donc de cette session avec Samuel. Donc elle est enregistrée et vous pourrez la retrouver sur notre site internet, et vous pouvez n'hésiter pas à y aller pour voir d'autres thématiques comme l'éco-conception, en frugalité, design interface, la dernière qui était design et sensation. Donc, le Design Spot, c'est aussi des accompagnements. Donc, on est là aussi pour accompagner des porteurs de projets, des startups, parfois des étudiants entrepreneurs dans leurs projets de design. Et donc là, on va chercher souvent des designers externes et on travaille avec eux sur leurs projets. Donc là, c'est le cas de Learning Robots, donc un petit robot pour apprendre l'intelligence artificielle. Et donc là, on a travaillé avec Antoine Blas sur le design de ce produit. Et donc, comme vous pouvez le voir, on accompagne sur des projets de design. Ça, c'est des projets qu'on accompagne au Design Spot. Mais vraiment, c'est sur tout type de thématiques et de savoir-faire. Donc, on va chercher à la fois du design graphique, design produit, design interface. Donc, voilà, ça, c'est petit à petit, cette liste de projets s'augmente. Et c'est vraiment une grande diversité et une grande richesse de projets.
Voilà, donc eh bien, on va pouvoir commencer avec Samuel. Donc Samuel, je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter, je te laisse prendre la main sur la présentation et je vais couper mon micro et puis j'interviendrai. Alors oui, ce qui est important de dire, je vais peut-être rappeler juste quelques règles. Donc ne pas activer sa caméra. Par contre, vous pourrez activer votre micro pour poser des questions. Vous pouvez, Samuel, je te laisserai donner les règles pour à quel moment les personnes vont intervenir. Mais l'idée, c'est d'avoir à la fois donc la présentation de Samuel et à la fois de pouvoir faire vraiment un échange. Alors, pas de chat, parce que vous y avez pas accès, pas tous en tout cas, mais en tout cas de pouvoir directement parler et poser des questions à Samuel. Moi, j'en poserai aussi également. Et donc, on va faire ça en deux pauses, une au milieu, une à la fin. Et donc, maintenant, Samuel, je te laisse la parole et je suis tout ouïe aussi sur les compétences en sémiotique, en sémio même. Merci, Johan. Avec plaisir. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la sémio. J'en fais pour des clients très variés, mais une bonne partie d'entre eux et une bonne partie de ces années, je les ai passées à travailler avec des designers. Et c'était intéressant de partager avec aujourd'hui, hein, au sein du Design Spot, en tout cas, toutes les passerelles qui existent entre la sémiotique et le design. Donc, bah, je suis un peu frustré de faire ça à distance derrière des petits écrans. J'aime bien quand c'est très interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir si vous avez besoin qu'on discute, qu'on diverge, qu'on précise. Voilà, moi, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur bon, c'est quoi la sémio pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement. Ça repose sur quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un sémio, il a plus de trucs à dire potentiellement que quelqu'un d'autre sur ça veut dire ça? Vous faire voir quelques exemples d'applications pour qu'on puisse discuter en fait, d'à quel moment les passerelles, les liens se créent entre un sémioticien qui travaille et un process de création en termes de design pour voir comment est-ce que la sémio peut contribuer. Peut enrichir et surtout permettre à toute une équipe projet en général de travailler ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par qu'est-ce que c'est que la sémio. Donc, pour ça, je vais commencer par le remettre dans un contexte on va dire des sciences humaines au sens large. Habituellement, les gens connaissent beaucoup, on va dire, des dérivés de la psycho, voire un petit peu de socio, sous forme de focus group, de groupe conso, où on a l'habitude d'aller chercher quelle est la perception des gens. D'accord? Donc, on leur tend un micro, en gros, on leur fait voir des choses, ils réagissent, on leur dit vous vous sentez comment, vous avez besoin de quoi, vous aimez quoi là-dedans, etc. Et on les fait travailler, on travaille avec eux, on les accompagne dans un processus de prise de conscience. Mais ça veut dire qu'on est dépendant de la perception des individus. Ça, personnellement, en termes de design, c'est quelque chose que je vois de moins en moins faire. Et en tout cas, moi, je l'utilise très peu. Je travaille peu avec des gens qui ont toujours recours au groupe conso plus classique, au focus group. Pour une raison très simple, c'est que, je ne sais pas, lorsque je fais des projets sur l'alimentaire, par exemple, je vais suivre, enfin, que les ethnos, je reviendrai suivre des gens, on va très vite se rendre compte, par exemple, que ces gens s'alimentent 9 fois par jour. Et puis, quand vous, en fin de journée, vous demandez aux personnes, alors, vous avez mangé combien de fois? Ils vont vous dire bah, 3 par réflexe, puis après ils vont calculer, ils vont dire 4, 5. Mais non, si vous leur dites non, 9, ils vous croiront jamais parce qu'ils n'en ont pas conscience de tous les moments où ils s'alimentent. Et on est obligé de leur faire voir des vidéos, et là ils vont réagir, ah non, ouais, ça ne compte pas, je finissais l'assiette du petit, il restait quelques petits pois, etc. Mais je n'étais pas vraiment en train de manger. Et bien si, enfin, voilà. Donc on se rend compte bien entendu du décalage qu'il peut y avoir entre le déclaratif, non pas qu'il se soit mal intentionné, c'est qu'humainement, on est fait comme ça pour faire un tri, pour porter notre attention sur certaines choses plutôt que d'autres. Donc, la différence entre le déclaratif et ce qui est réellement observé. En design, on aime bien les démarches d'un point de vue des sciences humaines où on observe vraiment ce qu'il en est d'un point de vue des usages. Et pour ça, on a deux disciplines. On a soit l'ethno, qui travaille à une échelle un peu plus grande, où on suit des parcours d'usage, on va dire assez larges. Quel est le moment où ça déclenche l'envie de, je ne sais pas, aller faire du sport? Comment je vais me préparer pour aller faire du sport? Je fais du sport. Puis il y a l'après, il y a la récup, il y a etc. Et comment je reboucle avec mon quotidien, par exemple? Ben, ça, on le fait en ethno. Et puis il y a des ergonomes, que ce soit de l'ergonomie médicale ou cognitive, où là, on va être sur un schéma en général beaucoup plus précis.
l'ergonome cognitif, il est beaucoup sur une appli, sur une app par exemple, et il va suivre l'enchaînement logique de pourquoi je cheminais d'abord par telle donnée avant d'aller en chercher d'autres, etc., pour voir ce qui est naturel, logique, compréhensible, etc. L'ergonomie médicale, c'est beaucoup un enjeu de posture sur des postes de travail, de cuisine, de à quelle hauteur est le plan de travail, à partir de quand est-ce qu'on a mal, à partir de quand est-ce qu'on a un enjeu de on ne bouge pas assez, etc., comment on bat contre la sédentarité, etc. Donc, ethno et ergo, on est sur les usages. Ensuite, on passe à l'anthropologie et la sémiologie. Alors, l'anthropologie, soit on dit que c'est la science, je dirais, des référents culturels humains, et ça englobe, je dirais, un peu tout, hein, toutes les sciences humaines, soit c'est un petit peu plus spécifique, et dans ces cas-là, c'est très proche de la sémiologie, c'est-à-dire que c'est l'analyse des référents culturels que des gens ont, ce pourquoi, est-ce qu'ils ont tel rapport avec les ordures, le propre, le sale, tout ce que vous voudrez. Ce qui est aussi le sujet de la sémiologie, mais la sémiologie utilise les mêmes outils parce que c'est né, ça a donné naissance à la sémiotique et au même moment, enfin, la sémio a travaillé globalement sur le sens. Donc pour simplifier, on parle de sémio, mais la sémiotique est apparue en 67 avec des outils et vraiment des process d'analyse systématique, je reviendrai dessus, pour pouvoir typiquement analyser des catégories ou des thèmes. Et dans les thèmes, en fait, voilà, c'est très proche de la sémiologie. Pour simplifier, en gros, quand on nous appelle sémio, on est très content que ce soit de la sémiotique ou de la sémiologie. Quand les gens connaissent, déjà, on est content parce que c'est vraiment le petit pousset de toutes ces sciences humaines. Et peu importe les échelles, on travaille au final en tant que science des systèmes de signification. Ça veut dire que le sujet la sémiotique, c'est de comprendre comment quelque chose signifie. D'accord ? Et pour ça, bien entendu, on travaille soit sur des catégories, soit sur des thèmes. Je reviendrai sur la différence entre les deux. Et on va travailler, vous allez voir, par comparaison, par système. C'est pour ça qu'on parle de système de signification. Je vous le dis tout de suite, il y a peu de choses qui ont une valeur dans l'absolu. Je ne sais pas, le vert, on peut dire symbole de l'espérance, quand on fait de la caricature. Mon pire ennemi, hein, c'est le dictionnaire des symboles, par exemple. La feuille d'acanthe, c'était le symbole du courage au Moyen-Âge, etc. Voilà. Et le vert, symbole de l'espérance. Sauf que moi, quand je travaille sur la catégorie fromage, le vert, ça va plutôt être la fraîcheur, voire aille et fines herbes. Et aille et fines herbes, on est loin de l'espérance. Donc un signe, il a peu de valeur dans l'absolu, il a une valeur relative par rapport à un système culturel donné. Donc le système, il peut être un thème, par exemple les codes de la féminité, comme il peut être une catégorie de produits, par exemple le fromage. Pour ceux que ça intéresse vraiment, en France, on fait, et la discipline est née notamment beaucoup via l'Italie et la France, c'est les deux nations à l'origine de la sémio, et ça fait des petits un peu partout, mais la sémiologie préexistait. Et puis, il y a eu des dérives, il y a des gens qui sont mis à faire des dictionnaires des symboles, des choses comme ça, et là, en 67, il y a un groupe de personnes qui s'est dit « c'est pas possible, il faut qu'on revienne vraiment à un process d'analyse systématique », d'où la création du Cercle de sémiotique de Paris, hein, c'était l'école des hautes études à Sorbonne, à l'époque, qui a regroupé un certain nombre de personnes, dont Claude Lévi-Strauss, qui était anthropologue, Barthes, pour ceux qui connaissent en général, en sémio, fait partie des grandes figures, et puis bon, il n'était pas tout seul, hein, il y avait Benveniste, Greimas. Moi, typiquement, celui qui a le plus produit après de concepts et de théories sur les outils, c'est Greimas. Moi, je fais de la sémiotique greimasienne, donc mon dieu à moi, mon pape, si vous voulez, c'est Greimas. Et 67 a été le Big Bang d'une volonté très scientifique, hein, dans l'épistémologie, de pouvoir aborder des sujets de signification, non pas d'une façon subjective, mais vraiment objective. Alors, comment ça marche? Dit autrement, qu'est-ce qui fait qu'un sémio, il peut être plus compétent que votre tante ou votre grand-père pour dire que le logo d'Apple, il veut dire ça. D'accord? Comment ça marche? Le premier élément qu'il faut comprendre, c'est que pour travailler,
on n'a pas la science infuse et qu'il faut qu'on bosse, déjà. Ce n'est pas juste une question de culture générale. La caricature, c'est que les sémios, ils s'y connaissent super bien en latin, en mythologie égyptienne, etc. Ben, pour certains, ouais, pour d'autres, pas du tout. Par exemple, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc, la culture générale, ça aide, mais c'est surtout des méthodes de travail, comme toutes les sciences humaines. Et en sémio, on a besoin de pouvoir comparer. Saussure, hein, 19e, c'était le sens naît de la différence. C'est parce que deux choses sont différentes qu'elles vont pouvoir signifier des choses différentes. Donc, pour pouvoir comparer les différences, et les sémios sont des gens qui adorent jouer au jeu des sept différences, ben, il faut commencer par avoir des choses à comparer. Donc, on va pouvoir rassembler des objets, peu importe si c'est une catégorie ou si c'est un thème. On peut le faire en chambre, je ne sais pas si c'est des packaging, des pubs ou ce genre de choses, mais on peut le faire bien sûr in situ. Quand on travaille sur des points de vente, on se déplace et on va les analyser, par exemple, je ne sais pas moi, toutes les boutiques des réseaux de téléphone. Donc on va se faire du Bouygues, du Orange, du SFR, etc. Et puis on va aller comparer leur discours, leur scénographie, leur code, etc. pour voir, d'un point de vue point de contact retail, ce qui différencie chacun de ces acteurs. Première chose, il nous faut un corpus. Deuxième chose, c'est ce que je vous disais, un symbole, le chocolat, ça n'a pas la même symbolique, ça n'a pas la même signification pour tous, de la même façon, hein, que ce soit de la gourmandise, de l'énergie, de la culpabilité, ça dépend de ce contexte culturel. Et le contexte culturel, soit c'est une catégorie de produits, je ne sais pas, par exemple, on veut travailler sur une nouvelle boisson rafraîchissante, ok, mais cette boisson rafraîchissante, on va la placer dans un contexte des boissons sans alcool, dans un contexte des boissons type jus de fruits, dans un contexte des boissons type eau minérale, et on ne va pas choisir le même système en fonction de notre sujet. Plus on est sur un sujet de positionnement où vraiment avoir une raison d'être en tant qu'acteur, en tant que produit qui soit fondamental, et plus on va avoir un système qui va avoir tendance à être réduit, et à l'inverse, plus on va être sur un enjeu d'innovation, et plus on va être sur un système large. Donc, il y a déjà un enjeu à bien définir son écosystème. Quand on parle de largeur d'écosystème, très vite vient la notion de géographie. On va se plonger dans quel pays, et dans ces pays-là, supposant qu'on analyse, je ne sais pas, en général, États-Unis, Europe, Asie, avec des pays ou des cultures emblématiques, est-ce qu'on cherche le point commun entre ces systèmes-là? Autrement dit, on voudrait... faire fonctionner à l'économie, on voudrait que notre discours soit le même partout, ou à l'inverse, est-ce qu'on cherche les différences? Parce qu'on voudrait être le plus efficace possible dans notre discours en Chine et aux États-Unis. Bon, en général, la réponse qu'on a, c'est les deux. Mais est-ce qu'il y a des implications pour nous? Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on puisse isoler, d'une certaine façon, les analyses que l'on fait dans ces zones du monde, de façon à vraiment pouvoir comprendre les différences entre ces enjeux-là. Autre question qu'on se pose très vite en tant qu'écosystème, c'est la dynamique dans le temps. C'est-à-dire que si on fait une analyse maintenant, ça va être comme si on faisait une photo. À un moment donné, on dit voilà, voilà tout ce qui est raconté, tout ce qui signifie, voilà comment ça se passe. Sauf que on se situe en général sur des marchés, sur des sociétés qui sont en train d'évoluer. Donc souvent, ce qu'on nous demande en tant que sémio, c'est aussi d'appréhender cette dynamique. Et les sémios, en général, ils essaient d'identifier les codes qui sont résiduels. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont un peu fatigués, sauf qu'ils servent de référent. Les codes dominants, c'est ceux qui actuellement sont en train de s'imposer comme étant ceux qui signifient le mieux le sujet sur lequel on travaille. Et puis, il y a des codes émergents. Et les codes émergents, on ne sait pas si c'est ceux qui vont devenir les codes dominants demain ou s'ils vont disparaître ou muter et devenir encore autre chose. Donc, en général, on nous demande de travailler sur la prise en compte des codes plutôt dominants, enfin, un mix entre codes dominants et émergents, pour quand même essayer d'être en avance, avoir un ton d'avance par rapport à, typiquement à l'évolution d'un marché ou d'une problématique sociale. Et notre rôle, à nous, c'est de se dire, OK, on va choper les différences entre des packs, des pubs, des produits, des lieux, des sites internet, des manifestations dans les séries, les jeux vidéo de tel ou tel thème. Et on a trois niveaux sur lesquels on se base, c'est la version simplifiée, mais dans les faits, notre boulot se résume souvent à ça. Quels sont les codes, quels sont les discours et quelles sont les valeurs? Donc, voilà.
c'est le Big Mac, d'accord. Ces trois niveaux-là, en fait, je vais revenir dessus, hein, mais nous, on va chercher les associations. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un produit, devant un lieu, vous vous dites, OK, il y a des codes. Couleur, matière, forme, composition, le média qui est utilisé. Vous pouvez ne pas parler japonais. Quand vous allez au Japon, vous pouvez assister à une dispute et vous comprenez bien que le ton monte dans les tours, que les gens commencent à s'énerver, même si on ne comprend pas ce qu'ils disent, parce que vous avez accès à un niveau des codes. Ensuite, on a le niveau des discours, on appelle le niveau discursif en sémio, hein, où là, on a l'identification de personnages, de situations, d'interactions. Quand vous mettez un gamin, on appelle ça la lecture zéro, mais quand vous mettez un gamin de 10 ans devant un phénomène, et vous dites, OK, il se passe quoi là? C'est quoi les situations? C'est quoi les situations? OK, il y a une femme qui est en train de, d'embrasser un homme, ils sont dans un café, elle pleure, voilà, il y a eu une dispute avant, il se rabiboche. OK, donc on comprend de quoi on parle, on thématise, qu'est-ce qui est dit, quelles sont les situations, toutes les interactions, tous les acteurs qui sont présents pour comprendre quelque chose. Et puis ensuite, il y a les valeurs, ce qu'on appelle les dimensions sémio-narratives. C'est ce qu'il y a de plus abstrait, mais c'est ce au nom de quoi le discours et les codes sont installés. C'est-à-dire la raison d'être, la vision du monde qui est sous-jacente. Si vous travaillez sur des, je sais pas, des yaourts, entre une image bucolique d'une petite fermette avec des vaches qui renvoie à une valeur en gros de « c'était mieux avant » et que la campagne devrait rester ce qu'elle est, proche de la nature avec peu d'humains globalement, et les humains, il vaut mieux qu'ils aient des bottes, une fourche à la main et certainement pas une grosse industrie avec un treillage électrique, etc. À l'inverse, vous pouvez très bien renvoyer, je ne sais pas, l'image de la, même de la laitière, si on a utilisé des codes anciens dans les deux cas, pour dire que ce qui compte, c'est la transformation et c'est la gourmandise de la touche, de la cuisinière, de, etc. D'un côté, on est en train de dire que le yaourt, il est mieux si on n'y a pas trop touché et s'il en vient direct avec la campagne. De l'autre, on est en train de dire que ce qui compte dans le yaourt, c'est la transformation, c'est un acte culturel de création gastronomique, culinaire, etc. Deux visions du monde radicalement différentes qui vont se construire en mettant en place des discours, des registres, hein, des lieux, des scénettes, etc. Et avec des codes qui ne sont pas les mêmes. Les codes couleurs ne vont pas être les mêmes, etc. Les typos, enfin tout ce que vous voudrez. Le boulot du sémio, c'est d'analyser la relation entre ces trois niveaux. Et en fait, la récurrence, quand vous analysez plein de packs, plein d'objets, plein de lieux, plein de manifestations d'un thème, je sais pas, dans les jeux vidéo, les séries, les films, tout ce que vous voudrez, on utilise aussi bien du matériel marketé que de matériel provenant de culture populaire, et bien la récurrence de l'analyse de ces trois niveaux fait que vous faites apparaître des patterns, faites apparaître des récurrences et ce qu'on appelle aussi des territoires d'expression, et on va se rendre compte qu'il y a un groupe d'acteurs, d'histoire, du marché, qui associe telle valeur, tel discours et tel code, un autre qui associe ces trois-là, etc. Et puis on va se retrouver, je ne sais pas, avec 12 petits groupes, 12 territoires d'expression qui ont une cohérence apparente entre eux. Et cette cohérence, eh ben mine de rien, dans nos têtes à nous, qui avons grandi en étant exposés progressivement à des référents culturels, à des marques qui nous parlent, à des blagues, à des séries, à des films, c'est des choses qui sont en cohérence, tout ça, et qui créent des référents qui nous influencent en tant qu'utilisateurs potentiels, en tant que consommateurs potentiels. Donc c'est important de comprendre ces territoires d'expression, parce qu'ils vont être le terrain de jeu de toutes les questions auxquelles on est confronté en design. Quand on a une création à faire, quand on a une évolution de quelque chose à faire, il faut commencer par comprendre quels sont les référents et le sujet sur lequel je travaille, soit il est existant, dire, ben, il s'inscrit dans quel genre de territoire d'expression, quel genre de signification, ou bien si j'ai l'intention d'en créer un nouveau, je vais le positionner comment par rapport à ce qui existe. Donc, ce Big Mac, c'est la base qui fait que un sémio, il devient à force de travail sur un sujet plus compétent que d'autres personnes pour expliquer ces référents-là. Et encore une fois, hein, c'est en général les ingénieurs sont plutôt à l'aise avec la démarche sémio parce que ben, moi si je dois analyser, je sais pas l'univers du shampoing
en Allemagne, eh bien, je vais prendre toutes les principales marques et puis les petits outsiders les plus particuliers du marché du shampoing, toutes les pubs, tous les packs, etc. Et je vais analyser avec mon Big Mac systématiquement tous ces éléments-là. Donc, je vais faire apparaître ces récurrences et je vais faire apparaître les 6, 9, 18 catégories de sens, en fait, qui existent sur ce marché. Et ça va créer une cartographie, ça va créer un référent objectif pour que plusieurs personnes travaillant sur le même projet puissent exprimer des velléités, des hypothèses, y compris des propositions très subjectives, mais sur la base de quelque chose qui est rationalisé. D'accord ? Donc le Big Mac, il y a plein d'autres outils en SEMIO, mais je ne vais pas vous... chacun de ces niveaux-là se redécompose avec des outils d'analyse plus précis, mais je ne pense pas que ce soit le propos d'aujourd'hui, ce n'est pas une conférence, je dirais, sur la SEMIO en général, s'adressant à des sémioticiens, c'est vraiment sur le lien entre la sémiotique et le design. Mais voilà, pour tous ceux qui connaissent un peu moins bien la SEMIO, comprenez que ça ne sort pas d'une baguette magique, la SEMIO, ça sort de l'analyse systématique d'éléments d'un corpus qu'on rassemble, qu'on analyse sur ces trois niveaux, et c'est la récurrence des associations qui font apparaître des patterns, c'est-à-dire des territoires d'expression qu'on va pouvoir utiliser. Pas de questions à ce stade-là ? Apparemment non, tu peux y aller, Samuel. Alors, je vais essayer de vous le rendre plus concret. J'en prends Ronald, par exemple, McDonald's. En termes de code, qu'est-ce qu'il a ? Ben, il a des couleurs vives, hein, c'est plutôt catchy. On a du jaune, ça klaxonne dans tous les sens, des rayures rouges et blanches. Donc voilà, on va décrire ces couleurs-là. On va décrire une forme qui est plutôt explosive. C'est pas quelqu'un qui est dans la retenue, qui est dans le contrôle. Il est vraiment en train de se stretcher dans des directions différentes. Et puis en l'occurrence, c'est pas un dessin, c'est une photo. Alors, c'est une photo réalistique détourée. D'accord ? Alors, on a à peu près fait le tour, grosso modo, des codes qu'on pouvait raconter sur ce personnage. En termes de discours, vous allez reconnaître que c'est un clown. Pourquoi c'est un clown ? Parce qu'il a un nez rouge, parce qu'il a des grandes chaussures. Et ce n'est pas quelqu'un habillé, je dirais, en civil. Il est déguisé. Il a un costume de clown. Ce qui veut dire qu'il endosse les attributs potentiellement d'un clown, et c'est un clown qui exprime en l'occurrence une posture très, très enchantée. En gros, il est un peu fou de joie, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est un clown joyeux, c'est pas un clown triste, c'est pas trop un clown flippant, bien que ce soit très discutable, mais on reste sur un clown positif. Et en termes de valeur, quand je l'associe à une chaîne de restauration, ça veut dire qu'on a le pouvoir pour un adulte de transgresser. D'accord ? Le clown, dans nos sociétés occidentales, c'est un des très rares personnages qui a le droit de transgresser les normes, qui a le droit de se moquer. Et du coup, il y a une promesse d'entertainment, d'une certaine façon. Si je vais dans un restaurant qui est représenté par une icône de ce type-là, ça veut dire que ça va être des règles transgressives. En l'occurrence, ce sont les règles des enfants qui vont pouvoir s'appliquer aux adultes. Autrement dit, il est logique d'y manger avec les doigts. Il est logique de pouvoir jouer en mangeant. Mais c'est les règles des enfants qui prennent le dessus et qui vont s'imposer quelque part aux adultes. D'accord ? Donc, c'est un marqueur d'état d'esprit. Et quand on utilise une mascotte comme ça, qui est devenue complètement démodée, désuète, etc., hein, Ronald fait plus rire personne, néanmoins, c'était la volonté qu'il pouvait y avoir derrière. OK ? C'est la base en SEMIO. J'aimerais vous faire comprendre qu'à ce stade-là, il n'y a pas besoin de 10 années d'expérience pour faire ça. Donc, normalement, en même temps que votre invitation, vous avez dû recevoir un lien sur Mural. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller y faire un tour pour qu'on puisse... vous avez trois exemples qui sont proposés. Vous avez un logo, vous avez une pub et vous avez un produit.
D'accord. Vous avez des post-it, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Mural, voilà, c'est facile de, d'aller chercher des post-it sur la droite, c'est la première icône sous le M rouge, et vous pouvez, vous choisissez soit le logo, soit la pub, soit le produit, dire ben, moi dans les codes je vois ça, si je prends Airbnb, voilà, c'est tout en courbe par exemple, okay, la notion de courbe, etc. D'un point de vue discours je vois ça, et d'un point de vue valeur je vois ça. Donc essayez de prendre quelques minutes pour renseigner ces différentes cases pour voir ce que ça donne et qu'on puisse parler des difficultés potentielles à le faire. Je vais peut-être vous épargner d'aller de passer votre journée à coller des post-it là-dessus, mais je pense que vous avez pu voir la mécanique. Et bon, je vois à travers les différents post-it que vous mettez voilà, que ça fonctionne. Ce que je vous propose, c'est de voir. J'ai fait le même boulot que vous, comme ça on peut comparer les résultats. Hein. Si on regarde, donc je vous propose de revenir sur Teams. Airbnb, typiquement, hein, on est tout en courbe, on n'a pas d'angle, on a globalement une grosse forme ronde en tant que bloc marque. On n'a pas de capital. Airbnb, c'est pas, ça ne commence pas par un A majuscule. Par contre, leur symbole reprend le A de Airbnb. On est sur un rouge plutôt désaturé vers le blanc, hein, on commence à se rapprocher un peu du rose. Et puis, on est sur un nom qui est sur des sonorités qui se répètent avec le BNB. Donc, ça contribue ça, au capital de sympathie d'Airbnb. En termes de discours, donc, on identifie bien le A, cette fois de la capitale du nom. On est sur un cœur inversé. On est aussi à l'intérieur du cœur sur un signe de géolocation, potentiellement, pour dire que c'est un enjeu d'endroit précis. Et on est sur un nom qui joue avec la notion de bed and breakfast, de B&B en anglais. Mais là, c'est B&B dans l'air, comme on dit, une version digitale du bed and breakfast. Et en termes de valeur, on est sur le fait d'identifier des lieux, des endroits qui soient conviviaux, qui soient accueillants. C'est quelque part le fait de dire que la relation qu'on peut avoir avec des lieux, avec des maisons, est plus importante que le service. Donc, on n'a pas affaire à des institutions, hein, on n'est pas dans le groupe Accor, où chacun des marques d'hôtels sont des choses plutôt ronflantes, très institutionnelles. Mais là, on est potentiellement dans la réalité, en tout cas dans une proximité avec des lieux qui ont une âme. D'accord. Donc, le reste, on a besoin du site, on a besoin de plein de choses pour comprendre Airbnb, mais déjà en termes d'identité corporate, ça raconte ça. Quand on est sur la pub de FedEx, hein, en termes de construction, on est sur une diagonale graphique. Hein, la page est assez blanche, assez vide, sauf qu'on a une diagonale très, très dynamique. On a une connexion entre deux entités, avant de les reconnaître, ce qu'on verra au niveau du discours. En tout cas, il y a deux sources, quelque part, d'action dans l'image, et on est sur une photo réaliste. Quand on rentre dans le discours, on se rend compte que c'est un adulte qui va pouvoir donner un jouet, en l'occurrence un robot, à un enfant. Vous voyez, les mains de l'enfant, elles sont moins en mesure de tenir, elles sont en train de recevoir. Pour le moment, elles tiennent moins, de façon moins solide le jouet. En plus de ça, la diagonale vient tendance à venir du haut, donc ça vient du haut de l'adulte qui donne vers l'enfant. On a une implication, ça ne se fait pas d'une petite main comme si j'en avais rien à faire, ça se fait vraiment avec deux mains, quelque part à bout de bras. Donc on a deux personnages qui ont l'air d'être assez impliqués dans cette action. Et c'est une action qui a lieu d'une façon simultanée. C'est important pour le discours de FedEx, parce qu'en général les livraisons, c'est une problématique d'attente, de délai, d'efficacité. Et là, ils arrivent à joindre deux discours. D'un côté, une logique de performance en disant qu'ils sont un raccourci entre deux personnes, et quelque part, ils effacent la distance, mais ça veut aussi dire qu'ils sont source de confiance pour ce qui compte vraiment pour nous, dans l'acte d'offrir un cadeau à un enfant, et vu l'implication des deux caractères, quelque part, le discours, ça veut dire qu'on peut faire confiance à FedEx pour transporter
ce qui a de la valeur, ce qui nous touche, etc., au-delà de la performance. Donc, c'est une publicité qui joue sur ces deux registres de performance et de valeur émotionnelle, de valeur affective. Et la chaussure de Nike, IP V4, je ne sais plus le nom précisément, mais typiquement en termes de code, on est sur des choses qui ont l'air très brutes. On n'est pas du tout sur des éléments raffinés. La matière, elle a un grain très conséquent où on voit bien qu'il y a plein de petites particules. Tout le reste, en fait, on a deux matières principales. On a cette matière en plastique très, très granulaire et puis du textile. La couleur du plastique est intéressante parce que c'est elle qui révèle le fait que ce soit composite. On a plein de petits éléments qui sont apparents, et d'un parce qu'on a du relief, et de deux parce qu'on a une couleur indépendante, autonome de ces petites particules. Ce qui veut dire que globalement, on a une logique d'assemblage de quelque chose qui est très composite. C'est une chaussure, ça ce sera un enjeu de discours, mais c'est un objet qui est composé de plein de petites choses qui préexistent à cet objet. Dans le discours, on peut identifier que c'est une basket, parce que d'un point de vue taxonomique, d'un point de vue de classification, elle n'appartient pas à la chaussure de ville, mais bien à la basket. Et on peut identifier un logo Nike. En lecture zéro, on pourrait supposer, en tout cas, qu'elle s'adresse à une majorité de gens qui se disent « Ok, il y a le logo de Nike là-dessus ». Après, elle révèle un process de conception, de fabrication, qui est nettement moins raffiné, nettement moins finalisé que d'habitude. Effectivement, c'est sourcé avec des matériaux qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus variés, beaucoup plus disparates. Donc, ça révèle un process de recyclage. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le process de fabrication, on a utilisé plein de matériaux qui préexistaient à cette chaussure. Les points, par exemple, remplacent là où on a une zone d'impression. D'habitude, typiquement le logo de Nike est composé de piqûres, de cœurs, de points, ce qui permet d'épargner de l'encre, de la colle, du plastique, etc. Toute la mèche, c'est-à-dire le dessus de la chaussure, c'est pareil, c'est une toile qui est brute, qui est assez homogène, qui contribue à ce process-là. C'est-à-dire toute la structure est apparente, en fait, il n'y a rien de caché. Même les lacets passent dans des gros fils, mais on ne cache pas l'endroit où le lacet est solidaire de la chaussure. Et puis, on a une forme dynamique qui va bien de l'avant. On reste bien sur cette logique de chaussure de sport. En gros, on a un cul de la chaussure qui est plus haut que l'avant. Donc, on fait même plutôt partie de la configuration des sports type course à pied et pas tennis, par exemple, qui favorise des déplacements plutôt latéraux. Et en termes de valeur, on est clairement sur une Nike qui est recyclée, dont l'intention est sans doute de réduire l'impact sur Terre, l'impact écologique, qui par contre maintient l'esprit d'une chaussure de sport, avec un design qui renvoie à une volonté d'agir. Il y a une notion d'implication, c'est-à-dire le fait de choisir plutôt que subir, d'une certaine façon. Ce qui est très Nike en termes de mindset, ou si vous regardez toute leur communication, etc., ils sont beaucoup sur la force de conviction psychologique. Ça dépend toujours de vous, de la façon de votre ambition et de la façon dont vous voulez aborder les choses. Là, c'est pareil, c'est un acte volontaire. Plutôt que de planquer le fait qu'ils recyclent, qu'ils essayent de travailler sur leur process, avec un modèle comme ça, c'est clairement pour afficher des velléités, en tout cas d'éco-conception, et une sorte de fierté à afficher un effort fait sur le plan écologique. La réalité de la performance écologique là-dedans est sans doute très discutable, ce n'est pas le propos. En saignant, on n'a pas accès à la véracité de l'empreinte écologique, par exemple, de ce produit. Par contre, on accède à l'intention en termes de discours, et notre boulot, c'est d'expliquer ça. Donc, si on devait analyser, par exemple, toutes les chaussures green, voilà, on ferait ça sur une centaine de modèles et ensuite, on verrait tous les territoires d'expression pour dire, en gros, on a fait un effort d'un point de vue écologique sur nos produits. OK ? OK. Des envies de réagir,
déjà à ce stade. Je vous laisse sans voix. Pensif. là, c'est la pause pour les questions de Samuel ou on la fait un peu après? Ce que je vous propose, c'est de voir un exemple. D'accord. En plus, et ensuite, on se fait une vraie pause de questions. Comme ça, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de m'en poser. Parfait. Ce que je vous vais faire voir maintenant, c'est l'analyse. J'ai dit que ça se pratiquait par rapport à un écosystème. Là, c'est l'analyse du système du sommeil, en gros. Que vous ayez à concevoir un nouveau produit, je ne sais pas, que ce soit un réveil, que ce soit un produit pour un médicament pour dormir, un matelas, ce que vous voudrez, mais un produit dont votre problématique est comment j'aborde la question du sommeil. Et en tant que designer, quand vous travaillez sur un nouveau sujet, à un moment donné, vous devez vous poser ce genre de questions en vous disant, si c'est une tenue de sport, si c'est un truc alimentaire et mon rapport à la cuisine, à l'alimentation, ça se passe comment, etc. Là, l'enjeu, c'est mon rapport au sommeil. Donc, je vais vous faire voir ensemble comment on structure l'univers du rapport au sommeil. Alors, je vais faire ça en raccourci parce que sinon, on va y passer la journée. Mais le rapport au sommeil, déjà, il faut comprendre que le sommeil, dans toutes ses manifestations culturelles, il est compris soit sur une transition entre deux jours, il y a aujourd'hui, il y a demain, et entre les deux, je vais dormir. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain. C'est les journées qui comptent. Ce n'est pas ce qu'il y a entre. Ou bien, il est considéré comme étant un moment en soi. Le sommeil, c'est typiquement ce qui se passe la nuit. Et la nuit, c'est enfin le moment où je vais pouvoir échapper à de la pression, enfin le moment où je vais pouvoir être moi-même, où je vais pouvoir m'évader dans mon quotidien de merde, etc. C'est là où je me retrouve, ou à l'inverse, c'est on se retrouve à deux, etc. Et puis il peut se passer plein de choses. Donc, c'est plus ou moins du sommeil. En tout cas, c'est cet univers qui gravite autour du sommeil et qui crée un moment intéressant en soi. Donc, d'accord ? Des acteurs qui disent, on passe du jour 1 au jour 2 et si on pouvait oublier ce qui se passe entre les deux, tant mieux. Et d'autres qui disent à l'inverse, c'est ce qui se passe entre les deux qui est vraiment intéressant. Donc, des conceptions du rapport au sommeil très différentes. Ensuite, dans tous les acteurs et les histoires qu'on peut analyser, très vite, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont sur le corps, sur comment est-ce qu'on détend le corps, sur on le répare, on le ressource, etc. Ou à l'inverse, on lui donne on le délivre et on peut lui permettre de s'exprimer. Et puis, des récits qui ont lieu sur l'esprit, et en disant que l'enjeu, c'est ce qui se passe dans la tête, en termes de lâcher prise, en termes d'oubli, par exemple. Voilà. Donc, ça nous donne, grosso modo, un exemple de mapping. Il y a plein de façons de gérer les mappings différents en Semio en fonction de la nature des paradigmes, c'est-à-dire des oppositions qu'on traite, mais je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui. Il se trouve que dans nos sociétés, pour comprendre la différence, on a besoin d'opposer des choses. Donc, les sémioticiens ont plein d'outils pour opposer des concepts, des notions, des codes, pour bien comprendre dans quoi c'est différent. Donc ça, c'est un mapping simple, comme ça tout le monde connaît, il y a deux axes. Donc quand on est en haut à gauche, d'accord, l'idée, c'est comment est-ce qu'on met le corps en mode off pour qu'il soit prêt à fonctionner plein pot dès le lendemain matin, d'accord. Donc là, on va nous parler de risque si on ne le fait pas, on va nous parler de raccourci et de passer encore plus vite à demain. On va nous parler de la façon dont on se réveille en étant full power et la capacité à aller bouffer le monde et tout ce qui va nous faire face. La capacité à récupérer du retard, cette notion de récupération parce que pour pouvoir faire encore plus de choses en journée. La capacité à vraiment se réveiller pour entamer la journée du bon pied, ce genre de choses. Quand on reste en haut sur le pôle du cœur mais qu'on va sur la droite, on va trouver comment mettre le corps en mode actif la nuit, quelque part, en libérant le corps de ses contingences. Donc, on va trouver un corps enfin décontracté, on va trouver des actions à l'horizontale, on va trouver le plaisir de la récupération, on va trouver le moment où, d'un point de vue santé, le corps se construit, où il s'améliore, on va même trouver de l'anti-âge qui a lieu la nuit. Donc, on ne voudrait pas rater quand même ce moment-là. Il est important en tant que tel. Si je descends à l'échelle de l'esprit, mais toujours en restant sur un vrai moment entre deux, ça va être activer le mode nocturne pour pouvoir libérer cette fois l'esprit de ses contingences. Donc, on va beaucoup travailler sur le lâcher prise.
On va beaucoup travailler sur comment faire face à l'anxiété et puis à tous les fantasmes, tous les rêves qui ont lieu, et c'est là où on se nourrit pendant la nuit. Et enfin, en bas à gauche, on va voir comment mettre l'esprit en mode off pour être le plus vite possible en situation de pleine capacité le lendemain. Donc là, on va nous parler de déconnexion. On va nous parler du fait même d'oublier sa journée et puis de se mettre sur en mode de mood, enfin d'ambiance et d'humeur positive. Typiquement. D'accord. Donc, vous voyez, ça, ce sont des territoires d'expression. Chacun des territoires d'expression, alors voilà, on peut développer plus ou moins, mais à minima, vous allez retrouver les codes, d'accord, dont on a évoqué, les thèmes, c'est-à-dire tous les discours, qu'est-ce qui s'y passe, etc., et la vision, c'est-à-dire par exemple le purpose, la raison d'être. Si je prends le territoire du risque, la raison d'être, c'est de montrer que c'est de révéler le risque associé au manque de sommeil et à quel point ça peut mettre minable et dans des situations compliquées, donc que l'on ne devrait pas sous-estimer le besoin biologique du sommeil. En termes de thème, on va trouver des récits sur le fait de vie sauvée, sur des échecs, typiquement le matin, et puis des dommages même esthétiques en disant bah, « regardez à quoi vous ressemblez quand vous ne dormez pas, quoi, c'est pas terrible ». En termes de code, alors il y aurait plein de choses à dire, c'est plus ou moins homogène en fonction des territoires, hein, y compris sur les couleurs, etc. Mais ce à quoi on le reconnaît avant tout, c'est des yeux qui tombent, qui se ferment, c'est des bouches ouvertes et des gestuelles de visage qu'on ne contrôle plus. D'accord ? Si on devait travailler là-dessus, en termes de réponse, un produit, peu importe ce sur quoi vous travaillez, vous seriez en train de réfléchir à comment est-ce que notre produit peut limiter la prise de risque, limiter les échecs et les accidents liés au manque de sommeil. Autre territoire, toujours en haut à gauche, hein, si on est sur le raccourci. Ben, si on est sur le raccourci, la raison d'être, c'est de proposer de passer d'un mode actif à un mode sommeil aussi vite que possible, quel que soit le contexte. En gros. Donc, tous les thèmes, c'est m'aider à m'endormir, c'est m'aider à me débarrasser de ce qui m'empêche de m'endormir, et cette notion de confort dans lequel la transition peut avoir lieu. Donc on a beaucoup de postures de bébé, beaucoup d'enjeux de coussins, d'édredons, d'oreillers et de petites pilules magiques qui, plutôt que de compter des moutons, voilà, retourner l'oreiller trois fois, j'avale ça et plop, ça va me permettre de basculer très vite. Donc là, tous les bénéfices, les réponses possibles qu'on peut faire par rapport à ces imaginaires, c'est... comment appréhender cette transition, hein, ce côté « je vais m'endormir » en étant le plus léger possible et le plus insouciant possible. Si je change de territoire, et souvenez-vous, je reste sur un registre corporel où c'est le corps le protagoniste, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps, mais cette fois, le monde qui est entre les deux va vraiment exister en tant que tel, et être valorisé en tant que tel. Donc là, la raison d'être, c'est un moment où la vie se ralentit, et finalement où le corps n'est plus sollicité, comme pendant les journées. Donc là, on va vraiment pouvoir parler de douceur, de confort, de well-being, de feignantise, de je me la coule douce, je me prélasse et je me repose. Donc beaucoup de corps allongés, on va voir qu'il se passe très vite à l'horizontale. Des choses plus chaotiques, enfin, qui restent actives, hein, il continue à se passer des choses, et beaucoup de douceur dans les matériaux pour accueillir ces éléments-là. Donc, comment, après, est-ce que je peux profiter de ces moments où je suis en mode soft par rapport à des modes superactifs, les valoriser et montrer qu'on n'a pas forcément envie de les rater, ces moments-là. Donc, comment est-ce que je peux faire pour les exploiter au mieux? Évidemment, tout ce qui se passe d'un point de vue très actif à l'horizontale, donc là, la nuit, c'est le meilleur moment de la journée, d'une certaine façon, parce que c'est un lieu intime où il peut se passer plein de choses. Donc évidemment, il y a du câlin, il y a du sexe, il y a aussi de la gym, des étirements, il y a le fait de parler, hein, tout ce qui est confession sur oreiller. Il peut même y avoir un rapprochement, je dirais, social, voire même des visuels ou des signes de fête d'une certaine façon. Donc là, on voit bien qu'on retrouve une diversité de postures, hein, sur des corps très, très actifs et des modes en communication, en interaction. En général, ça se passe à deux. C'est très social et du coup on a deux entités, deux personnes qui vont pouvoir interagir. Donc là, un enjeu d'adresser cette intimité comme étant un moment précieux,
comme la capacité de s'attaquer à des actions, voire des interactions sociales qu'on n'oserait pas en journée. Donc, il y a un peu un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais comment on peut capitaliser là-dessus pour le valoriser. Si je descends d'un cran d'un côté de l'esprit, d'accord, là, c'est les moments pour pouvoir échapper à la réalité du quotidien et retrouver une certaine liberté ou pour s'inventer son propre monde. Donc, on va retrouver beaucoup de gens qui rêvent de faire des choses, des passions, etc. On est beaucoup sur la fiction, hein, très, très créative, on peut se libérer. Et beaucoup de figures de liberté, parce que c'est le moment où on est le plus libre. Donc, des codes qui relèvent souvent de la magie, des superpositions, en tout cas, qui révèlent différents niveaux, ou en tout cas, nous montrer qu'il y a nous dans notre lit, et puis il y a tout ce qui se passe dans notre tête, avec un monde infini de possibilités, d'où les superpositions, les illustrations sur les photos, etc., en matière de code. Là, évidemment, il y a plein de choses à faire pour exploiter ce moment de liberté et pouvoir se rêver. Et j'avais plus envie dans un monde contraint, type Covid, etc. Et plus le monde de la nuit offre cet espace de liberté à exploiter. Autre élément, c'est le lâcher prise. Donc là, on est vraiment sur un moment d'insouciance qui est juste pour soi, sans aucune pression. Donc, on devient très vite régressif. Donc, vous allez avoir beaucoup d'histoires de mimétisme par rapport à des postures de bébé. Il y a une certaine gourmandise au plaisir. Hein. J'ai hâte de m'y retrouver parce que c'est le moment où je peux être enfin moi-même me lâcher complètement. Donc, on transforme des bad boys en bébés. Typiquement, on a des grands sourires qui apparaissent. C'est un rapport très positif, très régressif, où on exploite le fait que ce soit un moment où on n'est pas en représentation. On peut laisser tomber les enjeux de responsabilité. Donc, typiquement, ce n'est pas un moment social. On verra, c'est vraiment qu'un moment pour soi. Et enfin, le dernier quadrant, en bas à gauche de la géographie de cet écosystème, c'est la déconnexion. Donc là, on revient sur le plus court chemin entre aujourd'hui et demain, mais sur ce qui se passe dans la tête. Donc, en termes de déconnexion, c'est la capacité à basculer directement du mode jour au mode nuit. On n'a pas le temps de compter, donc ce raccourci va être mis en scène. On s'arrête directement de faire ce que l'on faisait, on s'arrête d'être qui on était. Donc, Saddam Hussein devient comme un enfant. Tous les contes de fées Disney sont avec des princes qui oublient ce pourquoi ils étaient venus et ils se déconnectent, des prisonniers qui, une fois qu'ils sont sur un matelas, arrêtent leur évasion là, on n'a même pas le temps de compter, donc on coupe un mouton en deux, etc. On voit bien que on joue sur ces contrastes en termes de situation et de posture, entre des gens qui ont un vrai enjeu de jour et qui s'effacent d'un seul coup avec l'enjeu de la nuit. Ils passent de l'un à l'autre sans transition et on avale complètement cette transition. Donc là, l'idée, c'est d'exploiter le fait qu'on enlève, qu'on débranche et qu'il n'y a plus aucune peur d'avoir à affronter cette transition avec l'arrivée du sommeil. Et enfin, quand on pousse encore un peu plus loin, c'est la capacité à oublier. C'est la capacité à oublier tous ces soucis, qui on est, avec qui on est. Donc là, on a des thèmes où on va effacer la conscience. On va laisser tous ces soucis. Vous avez tous les hommes politiques, des célébrités, Tiger Woods, etc., qui oublient tout ce qu'il poursuit la journée, de façon à ne pas être dérangé. Et puis avec l'enjeu de retrouver la mémoire le matin. Donc, on montre le contraste entre d'un côté le chaos et de l'autre un univers complètement apaisé et le manque de conscience. D'ailleurs, le lendemain, quand on se réveille, en disant « mince, mais finalement, qui suis-je? Où est-ce que j'étais avant? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve ici ?» Donc, on met vraiment en scène cette amnésie, d'une certaine façon, et de sommeil en profondeur. Voilà. Là, vous voyez… Bon, je ne vous les ai pas tous racontés, mais je suis allé assez vite. Mais
des territoires d'expression liés au thème du sommeil. On aurait pu prendre n'importe quel thème, hein, il en fallait un. Et quand on a à travailler ensemble, sur cette base-là, on va pouvoir commencer à en discuter. Et on va pouvoir se dire, je ne sais pas, d'un point de vue marketing, on sait que les gens sont en manque de sommeil et que ce qu'ils avaient tendance à faire la nuit, ils ne le font pas. Ou inversement, ils arrivent tellement à ne pas faire tout ce qu'ils doivent faire la journée qu'ils grignotent sur leur temps de sommeil et qu'ils exploitent de plus en plus le temps avec lequel ils seraient censés dormir pour faire autre chose. Ah, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on va être plutôt à droite, d'accord, etc. Donc on peut discuter avec des arguments rationnels là-dessus, comme on peut dire, eh ben, écoutez les gars, moi ce que je sens vraiment le plus, c'est le chill-out. Ça me parle vraiment. J'ai bien compris qu'il y avait tous les autres, mais je pense qu'on pourrait vraiment faire quelque chose, j'ai des idées là-dessus, etc. Donc, peu importe ce avec quoi vous arrivez et votre profil, mais tout le monde est à égalité, en évitant les discussions du type « j'aime, j'aime pas, je préfère le rose au bleu », etc. Parce que là, on est en train de discuter de territoire d'expression. Donc, on relie les enjeux de code aux enjeux de discours et aux enjeux de valeur, c'est-à-dire de prise de position par rapport à un thème. On a mappé tout ça, donc on peut se dire est-ce qu'on les explore tous? Est-ce qu'on se concentre sur certains? Est-ce qu'on accepte collectivement la prise de risque qu'on va être, je ne sais pas, qu'en haut ou à droite, par exemple? Est-ce qu'on a des arguments rationnels pour dire ce serait tel territoire plutôt qu'un autre? Mais ces territoires vont pouvoir nous servir de fil conducteur dans toutes les discussions sur le projet qu'on va pouvoir avoir. Et quand on cherche à convaincre des gens qu'on est en train d'aborder la question comme il faut, en disant on la regarde systématiquement, on écarte des choses progressivement, et ben là vous avez affaire à une équipe qui ne se dit pas mais on a dû passer à côté de quelque chose d'autre, parce qu'on est assez exhaustif. À partir du moment où on a validé en tout cas le périmètre du thème qu'on devait analyser, on est assez exhaustif et on peut identifier chacun des territoires, exprimer des avis et du coup ensuite avoir un fil conducteur. Quand j'enseignais par exemple à Strat, la CENIO, ce que j'aimais bien faire, c'est prendre un univers, un secteur, on prenait tous les produits, les pubs, etc. d'un univers, on l'analysait, on faisait ce travail-là et après je demandais à chaque designer de dire maintenant vous allez choisir une petite case ou deux petites cases maximum. Donc vous les sélectionnez aujourd'hui, on se revoit dans 15 jours et là vous me faites une maquette, une pub, un claim, ce que vous voulez, qui sont en rapport avec les petites cases que vous allez sélectionner. Le grand mérite pour un designer, c'est de se dire « Ok, je maîtrise les codes de ce que j'ai choisi, donc mon boulot, ça va être d'être capable d'argumenter par rapport à ces choix-là et de dire « Ma volonté, c'était de faire ça, c'est pour ça que j'ai fait ça. » Et je demandais à la classe d'ailleurs d'évaluer tous les gens qui passaient en disant « Est-ce qu'il… » Voilà, pour rappel, il avait choisi telle et telle boîte, tel et tel territoire d'expression. Est-ce qu'il a utilisé que des codes de ces territoires d'expression ou est-ce qu'il est allé chercher et puiser dans d'autres codes? Le but n'était pas de les interdire à tout prix de faire un mélange de territoires d'expression, ce qui est tout à fait possible, mais de leur permettre de garder le contrôle, de garder la main sur leurs intentions et les arguments qu'ils avaient pour dire qu'ils étaient restés dans le schéma de leurs intentions. Je vous propose maintenant une pause. Merci Samuel. Où on peut discuter. Alors, il y a déjà des questions. Alors, est-ce que Samuel, déjà, est-ce que tu pourrais essayer de départager ton écran et de le repartager parce que certains participants ne voient pas ton partage d'écran. Donc, il faut peut-être essayer de faire cette manip pour voir si ça fonctionne à nouveau. Et puis, on va prendre les questions. Alors, il y en a qui ont été posées dans le chat, parce que certains avaient accès au chat. Alors, donc, il y a Stéphane Février. Alors, je peux peut-être vous laisser poser la question, mais c'était par rapport à la dimension culturelle et savoir si dans ton outil là, pour extraire les codes, discours et les valeurs, comment tu prenais en compte justement cet aspect culturel? Est-ce qu'il y avait des moyens de contrer les biais, s'il y a des biais, ou si c'est partie intégrante justement du travail du sémiologue de prendre en compte ces aspects culturels? Stéphane, c'est ça, tu posais la question? C'est ça, Stéphane Février. Stéphane, ça dépend ce qu'on appelle culture. C'est-à-dire que moi, le premier pépin auquel je suis confronté, c'est quand on me dit « Ok, il faut bosser sur la Chine ».
ce que je fais régulièrement. Et là, je me dis merde. Je me dis merde parce que personnellement, je ne parle pas chinois. Je ne sais pas pour vous, mais donc je suis coincé à ce niveau-là. Résultat, je fais quoi ? Ben, je travaille avec des Chinois. Je travaille avec des sémios chinois. Le problème, c'est que la sémiotique est une discipline où, qui n'est pas forcément super homogène sur le plan international. Et du coup, j'ai autant de chances de faire bosser un sémio qui travaille d'un point de vue analytique pas exactement comme moi, donc j'aurais du mal à rapprocher les résultats, que de bosser avec quelqu'un qui ne maîtrise pas la culture chinoise. Donc ce que je fais, c'est que je cherche à tout prix un Chinois, parce que moi, si je le fais, je vais me planter en étant sûr à 100%, mais je garde la main sur l'analyse. C'est-à-dire que je vais travailler avec mon correspondant chinois sur comment est-ce qu'on décode ça au niveau local. Ça, ça veut dire quoi ? Mais le processus de par quoi on commence, qu'on analyse, qu'on obtient, je tiens à garder la main de façon à pouvoir comparer, par exemple, ce qu'on a fait aux États-Unis et en Chine. Et à ce moment-là, j'ai une base de comparaison, on va dire que ben, ce n'est pas du tout les mêmes modèles qui s'appliquent, parce que par exemple, les paradigmes en Chine, on essaye beaucoup de rééquilibrer les choses. On est dans une quête d'équilibre, alors que dans une culture occidentale, on aime bien le déséquilibre. D'accord ? Pour caricaturer, on a du yin et du yang, quelque part, alors qu'en Occident, on aime bien quand c'est super dynamique, et donc il y a un pôle qui prend le dessus avec une position assez caricaturale. Donc, c'est un peu simpliste comme vision, mais ça vous permet de comprendre qu'on a des enjeux très différents. Et toute la difficulté est de garder la main sur la méthode d'analyse, mais de lâcher prise en tant que sémio sur le décodage culturel pour avoir affaire à un décodage local. Donc, si c'est ça qu'on entend par culture, c'est comme ça qu'on le résout. Si c'est un enjeu générationnel, etc., il m'arrive régulièrement d'attraper un gamin concerné par le sujet et de dire « Tu vois quoi ? Décris-moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» etc. Et je peux le faire 2-3 fois. Mais plus je vieillis typiquement et plus je me dis que voilà, quand je travaille sur du TikTok, sur du Twitch, etc., sur tous les nouveaux enjeux, de nouveaux réseaux sociaux, je suis obligé évidemment de m'y mettre pour capter ce qui s'y passe, mais même si je suis un référent super intéressant en termes de méthode, identifier ce qu'il y a d'intéressant à analyser est quelque chose qui me sera sans doute de plus en plus difficile avec l'âge. Donc, je suis obligé de m'associer avec des gens qui m'aident à identifier quoi analyser et comment l'interpréter. Après, ça reste une science molle, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on évacue tout ce qui est subjectif. C'est une question, c'est vrai en psycho, c'est vrai en socio, c'est vrai en ergo, en anthropo, etc. C'est vrai pour toutes les sciences humaines. Là où j'aime beaucoup la sémiotique, c'est qu'on s'est vraiment doté d'outils, grâce notamment à Greimas en 67, qu'on peut appliquer d'une façon systématique face à un sujet, face à un groupe d'éléments à analyser. Et c'est notre garantie pour évacuer le plus possible ce qui relève du subjectif. Et beaucoup de sciences humaines ne sont pas aussi outillées que la sémiotique pour faire face à cet enjeu. Ok, merci Samuel. Alors, j'ai d'autres questions. Ouais. Posez-les en direct. Posez-les en direct, ce sera aussi bien. Donc, ça, Yves. Le faire, mais, à moins que tu leur aies coupé le micro et qu'ils puissent pas. Vous pouvez tout à fait activer le micro. Donc, allez-y. Alors, Yves Amalric, par exemple, qui avait une question. Yves, c'est possible d'activer le micro ou pas ? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, oui, donc j'ai réussi à trouver le bouton pour le micro. voilà, je m'occupe d'un intranet au CEA et de temps en temps, je suis tenté de mettre des petites icônes un peu décalées. Ouais. Et moi, je voulais avoir un petit peu un avis un peu global parce qu'évidemment, l'humour, ça met toujours un peu de désordre quelque part. Ouais. Et donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. Alors, pour y répondre en tant que sémio, il faudrait que je puisse analyser typiquement l'écosystème du CEA, aussi bien sur des postures, je dirais plus corporate, institutionnelles, que de l'interne, pour voir jusqu'où est-ce que l'interne peut s'autoriser des registres peut-être différents de l'institutionnel. Mais dans l'absolu comme ça m'est difficile de vous répondre. La réponse que je peux vous faire, c'est qu'il y a une recherche d'adéquation
entre les codes que vous allez utiliser et l'écosystème dans lequel ça va être perçu. C'est-à-dire que si l'intranet devient la foire à la saucisse au sein de publications et de personnalités super sérieuses, ça risque de décrédibiliser l'intranet. Mais institutionnellement, on peut aussi décider que l'intranet est l'endroit où on est super humain parce qu'on est entre nous et qu'il y a d'autres canaux, d'autres réseaux pour être super institutionnel, corporate, sérieux, etc. Donc ça, ça dépend du statut qu'a l'intranet au sein de votre écosystème. Et là, je ne peux pas en juger. Enfin, je ne le connais pas, donc je ne peux pas en juger dans l'absolu. Alors, la tendance dans ces cas-là, c'est qu'on utilise plutôt des traits d'humour un peu qui seraient dans la vie normale un peu lourdingue, mais qui marchent bien en entreprise. Du genre, je ne sais pas moi, pour la communication, prendre un Tipeee avec des signaux de fumée, parce qu'on a que ça sous la main, par exemple. C'est tellement gros que ça passe, justement. Oui, oui. Alors, mais ça, ça, ok. Donc, ça en dit long, je dirais, sur le statut de l'intranet, si ça devient le registre. Ça veut dire que ça reste l'enjeu, voilà, le recours humain, enfin voilà, où on a le droit à plus de lâcher prise, et on assume ça, potentiellement en compétition avec le sérieux de la recherche, des papiers qui peuvent avoir lieu, mais humainement, on n'est pas dans un enjeu de défense justement de ce sérieux-là. Donc, ça veut dire que c'est une zone à part. C'est une zone plus humaine de lâcher prise, etc. Si c'était l'image du CEA vis-à-vis de l'extérieur qui dépendait de ça, je pense que vous ne feriez pas la même chose. Ça, c'est sûr. Donc, l'humour comme registre, comme marqueur d'humanité, oui, indéniablement. Après, la prise de risque liée à l'humour est toujours un sujet délicat et en général, on essaye de rester assez consensuel. Sauf si il y a des entreprises qui arrivent à construire des zones de pure lâcher prise en disant « c'est pas grave, tout le monde a le droit d'y aller », mais en général, c'est des groupes au sein d'un intranet, etc. C'est-à-dire qu'on est sur une échelle plus petite. On n'est pas sur une échelle globale avec un enjeu de corporate, même si c'est de l'interne, de comment on fait par rapport à l'éthique, par rapport à des gens qui peuvent mal le prendre, par rapport, etc. Mais l'humour est un chouette marqueur d'humanité, en règle générale. Merci. Alors, on a une question aussi de Valentin Tabary, alors c'est qui est étudiant. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Valentin. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, la sémiologie, la sémiotique, de manière générale, j'en ai déjà entendu parler, mais en fait, j'avais cette tendance, ce défaut de me dire, bon, par exemple, je vois un carré, du coup, je me dis, ça veut dire que c'est sérieux, c'est droit, ça représente la sécurité. Ouais. Mais d'après ce que vous disiez, justement, c'est toujours relatif, donc un contexte particulier. Et je me demandais comment travailler justement cette sensibilité à la signification des signes, finalement. Elle se travaille. On revient au point que j'abordais en disant c'est un enjeu d'écosystème. Souvenez-vous, le verre, je veux bien que ce soit l'espérance de temps en temps, mais c'est l'ail et fines herbes. Par exemple, ou du bio, ça peut être plein de choses. Donc, un signe, méfiez-vous du dictionnaire des symboles, méfiez-vous de la valeur universelle du signe. Les couleurs n'ont pas la même valeur en fonction des pays, etc. C'est la tarte à la crème de la sémio. Mais lisez du passereau. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur les valeurs chromatiques. Votre carré... si vous mettez un sourire dedans, c'est déjà plus la même chose. Ça peut quand même continuer à vouloir dire que vous êtes dans une zone de contrôle, mais dans laquelle vous introduisez de l'humain, par exemple, du plaisir, ce que vous voudrez. Le logo de Orange, qui est un carré orange, par exemple, est intéressant. L'orange est une couleur plutôt passionnée, plutôt vive, plutôt dynamique. Donc, ce n'est pas une marque technologique froide. Néanmoins, elle a besoin de montrer qu'elle reste en contrôle, en maîtrise. Donc, le carré peut valoir ça. Dans Minecraft, une logique composée de type pixel ou etc., le carré va prendre une autre valeur. Le côté, quelque part, c'est composé d'ensemble et on peut être plus intelligent à plusieurs, par exemple, ou on peut être même grossier, pas très bien défini d'un point de vue techno quand on reste à l'échelle des pixels. Des pixels, ça peut vouloir connoter, on peut avoir une connotation rétro, par exemple.
Si vous remettez à réécrire en mode typo Casio avec des barres type pixel, enfin carré, etc., avant de dire où c'est sérieux, à un moment donné, on va dire tiens, c'est 13 années 80 quand même. Il peut y avoir un rapport rétro à la techno. Donc, le carré, il a peu de valeur dans l'absolu. Posez-vous surtout la question de c'est quoi mon écosystème ? C'est-à-dire que les signes que je dois concevoir, un logo, tout ce que vous voudrez à propos d'un carré, un graphisme, ou une forme d'espace, etc., dire, il va exister dans quel écosystème ? Et c'est quoi les règles tacites qui régissent mon écosystème ? C'est quoi les grands trucs là ? Si je plisse un peu les yeux, je vois bien qu'il y a un groupe d'histoires comme ça, un autre comme ça, donc ça veut dire que les gens vont se positionner par rapport à ça. Et si moi je fais un carré ou un cube là-dedans, ben voilà, un cube nickel éclairé dans un univers très baroque, versaillais par exemple, il y a un contraste entre la maîtrise technologique ou la magie, l'abstraction par exemple de la technologie et un univers sensoriel ancien super riche qui peut être intéressant. Votre même cube dans un centre commercial où tout est en carrelage, ouais, on va se dire tiens, il y a un pouf sur lequel on peut s'asseoir, mais ça n'aura pas du tout la même valeur, ça ne produira pas les mêmes effets. Donc isoler un signe, ce n'est pas un conseil que je vous donnerais. Mais trouver surtout les signes sur lesquels vous voulez travailler par rapport à un écosystème. Et c'est pour ça que le premier boulot du designer, ça va être de décoder et comprendre l'écosystème dans lequel il doit intervenir. D'accord. Ok. Merci pour vos conseils. Avec plaisir. Merci Samuel. Je pense qu'on peut, continuer la présentation. Il reste un peu moins de 45 minutes. Donc, comme ça, s'il y aura d'autres questions, de toute façon, une autre session questions à la fin. Ouais. On va prendre un peu de temps. Ça marche. Alors, on en fait quoi une fois qu'on travaille là-dessus ? Ben, ça, par exemple, pour Nespresso, moi, j'ai travaillé pendant des années sur un peu tous les aspects de la marque, mais par exemple, sur toute la stratégie design des machines Nespresso. Les registres. Le problème du café, c'est que c'est un univers qui est très convivial. Donc, avoir un café qui est fait par un ordinateur, ça fait rêver personne. En même temps, une machine super compacte avec des capsules, c'est intéressant. Donc, comment on fait pour continuer à rendre de plus en plus petit, de plus en plus techno, mais en véhiculant de l'émotion et de la convivialité ? Ben, y a plusieurs registres parce que tout le monde ne répond pas de la même façon, mais voilà, il faut structurer dans ces cas-là toute une offre. Ça joue par des formes qui sont des plans obliques, hein, qui sont de la rondeur, qui sont globalement des codes baroques. Pour les deux machines qui sont à gauche, par exemple. Donc, cette gamme-là, typiquement de machines, vous avez celle qui est le plus à gauche, qui utilise des codes rétro. D'accord, on est dans les années 30, 40. Pensez à des buildings Chicago, etc. Ça, c'était la machine Cities. Parce que quand on utilise des codes rétro, ça crée une proximité émotionnelle avec les gens. Donc, ça, c'était une façon d'adresser. Celle du milieu, vous avez des pans coupés, des courbes, des touches de couleurs sur les Senza et toute cette génération-là. Et puis la dernière qui était Pixies, qui ressemble déjà un peu plus à un ordinateur, à un disque dur externe. On a beaucoup travaillé sur la lumière et le bruit comme accompagnement du process, c'est-à-dire des sens qui racontent le café en train de se faire pour limiter l'abstraction potentiellement apporté par la technologie et la machine. Donc voilà, typiquement quand on analyse, derrière il y a des rocos de ce type et on construit des registres de machines d'un point de vue design. Donc en travaillant avec les designers sur toutes les stratégies, moi, globalement mon boulot c'est souvent de travailler sur les stratégies de design, c'est de dire comment est-ce qu'on aborde le sujet, ensuite comment est-ce qu'on va naviguer dedans et c'est quoi les codes qu'on décide de maintenir jusqu'au bout. Autre exemple, si vous regardez l'aéroport de Mumbai, le JVK, j'ai eu pas mal de temps pour analyser tous les codes du luxe en Inde, parce que l'objectif, c'était de faire un aéroport qui était luxueux et trouver dans quoi culturellement il s'enracinait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à analyser tous les hôtels de luxe, les points de vente, des produits de luxe, etc., pour comprendre sur quoi ça reposait culturellement. Pouvoir le traduire dans des codes emblématiques qui ensuite, lors du brief aux architectes, étaient des éléments qui leur étaient demandés. Donc là encore, intervenir en termes de stratégie de design, cette fois sur un,
sur un espace. Il pourrait y avoir plein d'exemples. Pour le Club Med, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur la relation à la famille. D'accord ? Famille-enfant, c'est quoi tous les modes, le mode relationnel qui existe ? Et quand on va en vacances au Club Med, on se rend compte que tout le monde est en suractivité, donc chacun finalement est de son côté, mais le moment où on fait des choses ensemble est très rare. Donc, avec des contraintes budgétaires, des villages qui ne doivent pas être repensés, revisités, c'est typiquement un boulot que j'ai fait avec une agence qui était une process, se dire comment on fait pour créer des zones et des activités à faire en famille qui ne grignotent pas sur les activités phares, mais qui permettent, à la fin des vacances, de dire on a vraiment eu du temps ensemble. Voilà. Bon, ça, c'est des exemples typiques d'interventions qu'on peut faire en seniors. Maintenant, si on regarde globalement tout ce qu'on peut faire, il y a tous les enjeux de positionnement de marque. Donc, au niveau macro, c'est comprendre un marché, qui sont mes concurrents, qu'est-ce qu'ils disent, sur quoi est-ce qu'ils reposent en termes de discours, de posture, de valeur, en termes de code, et est-ce que moi, je suis bien singulier. D'accord ? Donc, nous, on explique des univers concurrentiels et on vérifie et on aide les marques à être uniques, bien entendu cohérentes et signifiantes. Et puis, quand on rentre dans le détail, pour chacun des vecteurs de la marque, on peut analyser les discours de vente, évidemment les pubs, les packs, les sites, les points de vente, les produits, la com, le merch, les réseaux sociaux, sur Insta, etc. L'analyse du siège, l'analyse de la culture interne, des intranets, ce genre de choses, pour vérifier là aussi la cohérence, la différenciation, et proposer des évolutions possibles, toujours dans le but d'optimiser et de faire en sorte qu'on reste maître de ce qu'on exprime à travers tous ces codes-là. Et puis, d'un point de vue de clients, je dirais qu'ils sont plus purement dans l'analyse, dans les recherches, dans les études. Dans ces cas-là, la CNU, elle peut être utilisée pour comparer ce qu'on a voulu dire, c'est-à-dire l'analyse du brief, de la copie stratégie, si vous voulez, avec ce que l'on a dit. Et là, peu importe si c'est un logo, un pack, une pub, un produit, etc., avec ce que les gens en ont perçu. Donc, bien entendu, dans ces cas-là, on dépend d'autres sciences humaines. Ce n'est pas le CMO qui va dire voilà ce que les gens ont compris. Mais quand on travaille, par exemple, en quali avec des gens qui nous fournissent ces éléments-là, nous, après, on peut comparer. Voilà ce qu'on voulait dire. Voilà ce qu'on a dit. Voilà comment ça a été compris. On peut aussi travailler en co-analyse, typiquement avec des ethnos, pour comprendre pourquoi les gens ont tel ou tel comportement. Sur des lieux. Donc, en analysant le lieu, on peut très vite repérer des schémas qui orientent des comportements. En ethno, on va suivre tous les parcours de ces comportements, les analyser, et ensuite, on va associer les deux pour comprendre l'analyse des comportements et ce qui les a influencés pour les faire émerger. Et puis, on travaille aussi sur l'encodage. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup fait voir de décodage. On travaille aussi sur l'encodage. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait dire, OK, quels sont les codes qu'on va pouvoir manipuler ? Quels sont les codes qui doivent être présents ? Autrement dit, c'est quoi les ingrédients qu'on met à la disposition d'un profil créatif, un designer, un archi, etc., pour qu'il les transcende, qu'il fasse un saut créatif avec ces codes-là. Et du coup, ça sert à valider des créations. Moi, on me demande des fois d'arbitrer sur des compètes entre différentes agences ou ce genre de choses. Je sais quelle était la volonté de départ et je peux valider si on la retrouve à l'arrivée ou pas. Dans l'exemple que je vous ai mis, Narciso Rodriguez, typiquement, j'ai dû analyser, donc c'est un couturier américain mais d'origine cubaine, j'ai dû analyser ses différents défilés. J'ai pris ces défilés, toutes les vidéos, des vêtements emblématiques de sa production sur quelques années. J'ai analysé ce qu'il avait de particulier. En deux mots, une esthétique très classique à l'extérieur, mais un intérieur très baroque, très passionnel, etc. Et du coup, je l'ai traduit pour un brief pour designer un parfum en disant que c'est un parfum qui avait besoin d'être très classique à l'extérieur, l'archétype étant Chanel numéro 5, avec des épaules, des angles, des arêtes, etc. Et très baroque à l'intérieur, avec une logique plus organique, plus sombre. On pouvait jouer avec la lumière, mais supprimer les angles et essayer d'apparaître assez généreux. Bon. Quand vous m'écoutez décrire les ingrédients, ça ne fait pas rêver. Quand je dis que ça ne fait pas rêver, c'est que c'est rationnel. Et il y a toujours besoin de ce saut
créatif, de cette transformation, de fait de transcender. Et ça, c'est le boulot du designer qui, typiquement, ici, est arrivé avec un flacon teint à l'intérieur, décrivant une poche dans laquelle il n'y avait pas d'angle, et un rapport entre la découpe transparente du flacon très classique et cette masse noire à l'intérieur crée un rapport à la féminité assez troublant, en même temps très classique et en même temps assez inconventionnel, assez mystérieux. Bon, bah, superbe transformation d'un brief rationnel que j'avais fourni. Voilà. Est-ce que le designer aurait fait ça sans moi? Il aurait fait autre chose, j'imagine. Ça ne veut pas dire que ce serait moins intéressant, ça aurait été autre chose, mais pour la marque, elle aurait été moins en contrôle, elle n'aurait pas pu valider ce qu'allait devenir la création. Et par contre, la Senio sans designer, ça aurait donné un flacon pas très intéressant. Il y a vraiment besoin de ces deux facettes de personnalité. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les designers sont uniquement sur du subjectif et pas du rationnel. Moi, j'ai toujours travaillé avec une culture du design, notamment design produit et architecture, parce que dans leur formation, dans leur personnalité, ce sont des designers qui ont l'habitude de travailler avec des contraintes. Et à l'inverse, je travaille peu avec des créateurs et des gens qui ont un geste créatif un peu gratuit, qui disent « voilà, moi j'ai fait ça comme ça parce que j'étais inspiré ». Bon, ben, ces gens-là, j'ai du mal à bosser avec, parce qu'il y a un côté science infuse, l'idée, elle tourne de on ne sait pas trop où. Et je travaille à l'inverse beaucoup sur des projets où on a besoin d'avoir des designers, mais des ingénieurs, des marketeurs, des sciences humaines, voire plein de gens mélangés. Et mon boulot, c'est de rationaliser pour permettre à tout le monde de travailler ensemble. Et du coup, des designers qui ont l'habitude d'intégrer des contraintes sont très à l'aise avec la Senio, parce que je ne marche pas sur leur plate-bande au sens où je ne m'occupe pas de création. Par contre, je m'occupe de leur fournir les ingrédients qui vont permettre d'avoir une création riche en sens et bien cadrée, sous contrôle, par rapport au marché, à l'écosystème qui est visé. Donc, si j'en viens à l'innovation, qui sont personnellement les sujets sur lesquels je travaille le plus souvent, peu importe les modèles, je suis un très grand fan du double diamant du Design Council, d'accord, où on commence à travailler sur le quoi avant de travailler sur le comment, mais quelles que soient vos démarches, vos référents d'un point de vue culture de créa, il y a besoin de commencer par explorer pour acquérir de la connaissance, puis créer pour transformer cette connaissance en une expérience qui est proposée, et ensuite passer à un mode de fabrication de solutions. D'accord ? Pour explorer, il faut un point de départ. Donc, en général, il nous faut une problématique utilisateur. Moi, je travaille en général dans une culture de conception centrée utilisateur. Donc, il nous faut un point de départ qui soit non pas « tiens, j'ai besoin de faire quelque chose moi en tant qu'entreprise ou en tant que designer », il nous faut un point de départ qui soit un enjeu utilisateur. Une fois qu'on l'a, on va se dire « ok, pour y répondre, j'ai besoin d'aller acquérir un certain nombre de connaissances ». Dans ces connaissances, en général, c'est les actionable data, c'est-à-dire c'est de la connaissance sous un format qui est rapidement activable pour tous les membres de l'équipe. On a des parcours d'usage, parce que si on ne commence pas par cartographier les usages existants, ça va être difficile de les modifier. Donc, on a besoin de comprendre ce que font les gens et quand ils font différemment, qu'est-ce qui fait qu'ils font différemment aujourd'hui. On a besoin de comprendre leur motivation, parce que si on ne comprend pas pourquoi ils sont motivés à faire ou à ne pas faire, on n'a aucune sens de répondre juste après. On a bien entendu intérêt à choper le maximum d'insights pour comprendre qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui les gêne aujourd'hui pour faire tout ça dans leur écosystème. Et une fois qu'on a fait ça, on définit des opportunités. Ces opportunités, ce sont en même temps où est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que l'on retient de tout ce qu'on a appris, et en même temps le point de départ pour créer des nouvelles expériences. D'accord ? Donc on a ces opportunités et on va les explorer sous forme d'expérience idéale. Et non pas de concept, d'accord ? On n'est pas sur des solutions à ce stade-là. On freine les chevaux, on veut déjà proposer aux gens de vivre cette scénette de vie. Et on voudrait comprendre si cette scénette de vie, elle a de l'intérêt ou pas. Donc en général, ces expériences, on les définit sur un plan fonctionnel, émotionnel, sensoriel. Et une fois qu'on a une base, eh bien, on va faire du co-design au sens où on va travailler avec des utilisateurs potentiels pour faire évoluer ces expériences idéales, pour être sûr que ce soit les leurs. Et en le faisant, et quand on les modifie avec eux, on comprend qu'ils accepteraient de faire différemment de ce qu'ils faisaient aujourd'hui pour telle ou telle raison. Bon, ben, c'est telle et telle raison, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que s'ils font pareil, mais ils nous disent « ouais, pas mal, mais
OK, on a fait un peu d'innovation incrémentale, on a amélioré des trucs, on est peut-être plus sexy qu'un concurrent, mais fondamentalement, on ne changera pas les usages. Alors que on peut identifier des bénéfices qui vont leur permettre de changer des usages. Et quand on arrive à faire ça, on fait vraiment de l'innovation de rupture. Donc voilà, on a nos expériences gagnantes, qu'ensuite, on va pouvoir explorer en termes de réponses en disant comment on fait à court terme, à moyen terme, à long terme pour délivrer ces expériences-là. Et là, ça vaut le coup d'investir du temps et du fric en termes de solutions. Donc, on peut passer en lean management, on peut faire tout ce que vous voulez pour faire des boucles rapides et vérifier que tous les protos, les démonstrateurs qu'on peut concevoir, qu'ils soient haut def ou bas def, collent bien toujours avec l'expérience que l'on vise et que l'on souhaite délivrer. D'accord ? Eh bien, la sémio, dans un processus typique comme celui-là, hein, celui que j'utilise au quotidien avec des gens comme InProcess, voilà où il a lieu. Il a lieu dans, on va à la quête de connaissances, on a besoin d'acquérir des connaissances. Et alors, évidemment, il y a les usages, dans ces cas-là, on va utiliser de l'ethno, on va utiliser de l'ergo. On peut se nourrir de tendances en disant qu'est-ce qui est en train de bouger dans la société pour avoir une perspective un peu plus long terme. Et on a besoin des imaginaires qui influencent les gens à avoir tel ou tel usage. Autrement dit, par rapport à toutes les sciences humaines que je vous ai expliquées en démarrage de session, on ne va pas aller voir des gens pour leur demander ce qu'ils veulent, ce qu'ils vivent, etc. On va les observer dans les usages, mais on va aussi les analyser sur ce qui les influence. C'est quoi les référents qu'ils ont en tête en termes de, je sais pas, de code de féminité, par exemple. Et comprendre ce qui se passe dans Grand Theft Auto, dans tout ce que vous voudrez, dans les jeux vidéo, dans les séries, par exemple, fait partie des choses qui nous influencent sur nos référents. Donc, on utilise la sémio, la même façon que je vous ai fait voir, on travaille sur le sommeil, par exemple, sur les codes de la féminité. Et bien, mon boulot, c'est d'aller chercher dans les jeux, dans les séries, dans les cultures populaires, dans la culture marketée, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui marque ces référents de féminité. Et ça, c'est ce qui influence les gens. Et en travaillant sur la réalité de leurs usages et tous les schémas qui les influencent, on prend quelque part l'utilisateur en tenaille et on a des grandes chances de viser juste. C'est ce que je vous ai représenté là. Comprendre ce qui influence les gens. Donc, en haut, on est sur ce qu'on travaille. Je ne sais pas si vous travaillez sur une tondeuse. Ben, OK, mais les gens tondent en ayant quoi en tête? Est-ce que c'est la jungle, un jardin à la française? Le référent, c'est le gazon, genre terrain de foot? Est-ce que c'est un potager? Est-ce que c'est l'univers de Miyazaki et c'est une jungle féerique? C'est quoi? Et il peut y avoir plein de choses. Il y a des réponses dans les jeux vidéo, dans les apps, dans tout ce que vous voulez. Et puis, il y a la réalité des usages que vous avez en bas. La réalité des usages, c'est, tiens, il y a une pente, c'est super relou à nettoyer, il faut que je le range et ça prend trop de place, etc. Donc, moi, je laisse à mes collègues ethno-ergo le fait de travailler sur cette réalité des usages. Par contre, je travaille sur les imaginaires de façon à comprendre tous les référents que ces gens peuvent avoir en tête. Donc, et de toute façon, on va travailler avec eux dans toutes les phases de co-design, de co-construction, avec ces personnes-là. Mais les identifier en amont nous permettent d'arriver avec plein d'expériences intéressantes qui se nourrissent de tous ces imaginaires-là. Donc, les créas, typiquement, qu'on fait, on utilise beaucoup le stimulus généré par la sémio, autant que par la réalité des usages. Et en croisant ces deux échelles, finalement, on arrive à très bien cibler les enjeux de vie des utilisateurs existants et potentiels. Donc, un des rôles essentiels de l'innovation, de la sémio en innovation, c'est d'identifier tous ces schémas d'imaginaire qui vont influencer les gens. Ça veut dire qu'en termes de design, finalement, la sémio, elle sert à quoi? C'est globalement un outil qui sert à rationaliser les discussions. D'accord? C'est un outil qui rationalise le sensible. Donc, ça permet plus sereinement, tous ensemble, de discuter pendant un projet. Donc, c'est déjà un outil d'exploration pour travailler sur une question, un thème, un marché. Ça permet de mapper les différents territoires d'expression. Pensez à ce que je vous ai fait voir sur le sommeil. Ça permet d'avoir une équipe qui discute en étant, à égalité sur un plan rationnel. Deux points de vue qui, eux, peuvent être nourris par des éléments rationnels, chiffrés, de son marché, etc., ou des points de vue subjectifs. Mais tout le monde peut se comprendre et discuter sur une même base. Ça, c'est le premier atout.
Donc, quelque part, je sers de presque un peu de cabinet d'assurance, hein, de police d'assurance sur des projets pour être sûr qu'on va s'entendre, qu'on a l'impression de s'attaquer à tout un peu de façon systématique. Et à chaque fois, on fait des choix qui sont raisonnés. Maintenir le cap, en fait, pendant le process créatif, c'est une des autres vertus de la Sémio. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit que, voilà, que c'est ce qu'on veut faire, on peut décrire les codes, les interactions, les thèmes, les valeurs qui sont attendues par ce territoire d'expression. Et du coup, on peut les utiliser comme en tant qu'arbitre, enfin, je veux dire, pour arbitrer sur toutes les discussions qui ont lieu sur le projet. Parce qu'on connaît le cap, on sait à quoi ce territoire d'expression va se reconnaît, ce qu'il doit exprimer. Donc, ça nous permet de discuter entre nous en évitant le « j'aime pas » typiquement. Ensuite, la Sémio, elle ne remplace pas ce saut créatif, d'accord, mais elle fournit la bonne matière pour qu'il puisse avoir lieu. Donc, c'est ce que je vous disais, une transcription très littérale d'une recommandation Sémio, ça ne fait pas du bon design. Par contre, ça permet au profil créatif de savoir quel matériel et de comprendre pourquoi il a à disposition pour pouvoir faire cette transformation. C'est pour ça que le Sémio, il est toujours du même côté que le designer. Bon, à part quand je suis dans des compètes et qu'on me demande d'arbitrer qui a le mieux traduit les vérités de départ, je travaille toujours dans des équipes avec des designers, avec des architectes, pour analyser ensemble le sujet, trouver tous les territoires, se mettre d'accord sur le cap avec les clients en général que l'on veut adresser et être force de proposition en termes d'ingrédients pour arriver à tenir ce cap. Et puis enfin, je suis typiquement quelqu'un à qui on demande de fournir les bons arguments pour convaincre. Alors ça m'arrive, je ne sais pas, pour les JO, pour des choses comme ça, sur des logos importants, de dire OK, on a des cartographies, on a des outils en Sémio pour expliquer des choix. Et du coup, on nous demande d'expliquer ce qu'il y a derrière une création, derrière un pack, une pub, un produit, un logo, peu importe, pour expliquer aux gens quelle était l'intention, comment on est arrivé à le traduire et pourquoi ça devient un objet intéressant une fois que la création est faite. Voilà. Super, merci Samuel. Donc là, on est sur une discussion ouverte avec Samuel. Je vous invite à, pour ceux qui souhaitent donc participer, poser vos questions directement à Samuel. Je suis allé un peu vite, mais j'espère que vous avez bien compris toutes les interactions. Donc oui, c'est un outil d'étude, mais c'est un outil d'étude qui est on-board tout du long du process. D'un point de vue de la création design, parce qu'il aide le designer sur plein de points de contact. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le burger. Je trouve qu'il est assez simple. Donc, c'est une bonne image pour bien comprendre qu'il y a des éléments qui sont visuels. Déjà, R&D pour arriver au Big Mac, vous ne vous rendez pas compte. ça a été efficace. Très efficace. Avec tous les discours qu'il y a derrière et puis les valeurs de la marque, du produit qui est la base et sur lequel on s'appuie. Je trouve que c'est une image qui fonctionne bien pour des non-connaisseurs en tout cas. Alors, qui veut poser des questions? Angelica, si vous voulez prendre la parole. Alors bon, j'ai posé sa question. Alors si Angelica, si vous pouvez activer votre micro, alors si vous ne pouvez pas. Je viens d'activer, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon, allez-y. D'accord. En fait, je participe comme ça, mais je garde un bébé en même temps. D'accord. Alors, bonjour à tous et merci pour cette opportunité, parce que c'est vrai que je découvre un peu le sujet et je suis vraiment enchantée. Enchantée de voir comment la sémiotique peut vraiment aider à faire tout un tas de choses que je n'imaginais pas. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je me demandais, parce que j'assiste une entrepreneuse qui vient de créer une marque, alors elle est vraiment toute seule. Et j'ai vu que la Sémio pourrait aider dans cette partie positionnement de la marque, le branding. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que vous auriez du matériel comme ça pour des non-experts
pour démarrer là-dessus ou juste pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Il y a peu de référents pédagogiques à ce stade. Moi, ce que je vous conseille de lire, c'est mon prof en sémio, hein, c'était Jean-Marie Floch. Moi, j'ai décidé de faire la sémio à 17 ans et c'est lui qui m'a tout appris. Jean-Marie Floch, chez PUF, Sous les signes, les stratégies. C'est un super livre à lire sur des enjeux de logo, typiquement. Jean-Marie Floch, F-L-O-C-H. Chez PUF, Sous les signes, les stratégies. C'est le premier livre qu'il y avait dans les images à droite. C'est noté. D'accord. D'accord. Ensuite, C'est noté, merci beaucoup. Ce que je vous conseille, c'est de vous connecter à SemioFest. C'est un nom bizarre, hein, ça fait un peu le festival de la fesse, mais c'est SemioFestival, SemioFest, qui est la communauté internationale des praticiens Semio, dont je fais partie, mais tous les ans on se retrouve, voilà, SemioFest. Donc là, vous avez certains de mes collègues. Donc moi, j'ai organisé avec un collègue, avec Luca, la version 2015 à Paris. SemioFest essaye de rassembler un peu toutes les meilleures pratiques, tous les référents qui existent au niveau international. Il y a les quatre fondateurs, dont Chris Arning, qui était là, dont Lucia. En fonction des cultures où vous êtes, c'est pas forcément, la Semio n'a pas forcément été traduite dans toutes les langues au niveau international. Donc les référents ne sont pas les mêmes. Et SemioFest peut globalement essayer de vous réorienter sur les meilleurs référents locaux. Après, il y a des formations qui existent en Semio. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, on a aussi une question de Angèle Gulbeau. Je ne sais pas si vous voulez. Ah non, ce n'était pas une question. Pardon? C'était plus un commentaire. Oui, pardon, oui, effectivement. Utilisez-vous la sémiolinguistique ou la lexicométrie dans certains de vos projets? Voilà. Non, parce que je trouve ça très chiant. Mais oui, dans l'absolu. La linguistique fait partie des disciplines à l'origine de la sémio. Donc, dès que je travaille sur des noms, des créations de noms, etc., bien sûr, on l'utilise. Mais statistiquement quand même, donc oui pour la sémiolinguistique, la lexicométrie, je dirais un peu moins, c'est surtout développé sur un plan universitaire. Chez les praticiens, honnêtement, c'est plus rare. Donc on a des enjeux de prononciation, on a des enjeux de sonorité, on a des enjeux de sens. Et en sémio, on va travailler sur la forme aussi bien que sur le contenu. En général, ce que nos clients nous demandent, c'est que ce soit à peu près prononçable partout, que ça ne veut pas dire « me revache dans un autre pays », que les gens comprennent suffisamment. Donc, on va devoir travailler sur des racines latines ou des choses comme ça qui fonctionnent un peu partout en Occident, vérifier ce que ça donne, etc. Mais plus ça va, et plus quand on travaille sur les noms, le problème, c'est le dépôt légal et la disponibilité des noms. Donc, il arrive même qu'on fasse des projets en disant, on a acheté 5 noms qui sont moyens, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va travailler sur le moins pire des 5 noms. On va voir surtout, en travaillant typiquement en association avec des designers, pour travailler sur le couple mot-image et créer des logos, typiquement, qui permettent à des noms associé à une image, de devenir beaucoup plus riche et plus intéressant, et faire en sorte que le nom soit passable. Honnêtement, la plupart des projets qu'on peut faire sur des créations de noms, les noms sont... Enfin, moi, j'ai rarement des clients qui se roulent par terre en disant « il est génial, votre nom ». Mais ouais, ok, pas mal, ça veut globalement dire ce qui est... oui, c'est moi. Mais ça veut globalement dire... ça nous va, en termes de sens, pas de pépins. Pour le rendre sexy, on va beaucoup travailler avec un logo. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas sortir des noms qui soient géniaux, mais on est souvent sur cette association
images et mots. Donc, et la linguistique, alors bon, il y a plein de secteurs où on peut les utiliser, l'utiliser, mais dans ma vie de praticien, si je suis honnête, pas tant que ça. Okay. Donc Magali, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Après, je passerai la parole à Katharina, mais Magali, vous pouvez aussi prendre la parole directement. C'est bon ? Ok, ça marche. Oui, enfin non, je voulais juste remercier Samuel pour cette question. Moi, je suis sémiolinguiste et je suis universitaire, évidemment, vous l'avez remarqué immédiatement. Mais je travaille sur les termes en contexte, en fait. Moi, je travaille sur les contextes, je ne travaille pas sur l'étymologie. Enfin, je travaille sur la langue en discours conversationnel, quoi. Ouais. En fait, ça m'intéressait, mais c'était vraiment passionnant, ça m'a ouvert pas mal de champs de réflexion. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie, mais typiquement par rapport à vos enjeux de champ, de langue, en contexte, moi j'ai un vrai sujet de recherche qui m'intéresse et sur lequel j'attends les sociologues, mais en bossant avec des linguistes, c'est qu'aujourd'hui les analyses de discussion sur les réseaux sociaux, etc., je les trouve très pauvres encore. Que ce soit automatisé ou pas, je trouve que ça demande beaucoup de boulot pour être administré. Or, la sociologie, qui au départ étudie beaucoup ces notions de groupe, réfléchit sur comment est-ce qu'on prend le lead, comment est-ce qu'on se rattache à un groupe plutôt qu'un autre, etc. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire pour ramener nos copains sociologues sur ces enjeux-là, en bossant avec des linguistes, justement pour avoir des analyses de discussions, parce que c'est très révélateur, toutes ces discussions-là, des différents schémas d'acceptation d'un sujet culturel, typiquement. Et je trouve que j'ai beau regarder un peu tout ce qui se fait là-dessus, ça reste encore assez pauvre. Oui, c'est à la marge, ça ne peut pas se couper de sociolinguistique, on est bien d'accord. Mais le gros problème, c'est que les logiciels aujourd'hui pour l'analyse de Big Data ne permettent pas d'identifier dans la plupart des cas la sémantique telle que le sens des mots, ils identifient des groupes, des formes verbales ou des formes de mots, et pas ce que veut dire le mot. La sémantique n'existe pas, c'est un des gros problèmes. Enfin, moi je bosse sur quelques logiciels qui essaient d'identifier la sémantique et pas la forme, et oui. C'est compliqué, on est bien d'accord. Très bien, merci Magali. Merci beaucoup. Alors on a une question de Katharina. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ben, merci beaucoup pour cette super présentation. Donc moi, je viens aussi de la sociologie, donc j'ai fait de la sociologie pragmatique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plus orienté dans l'étude historique de la construction de valeurs, donc comment un certain groupe en vient à penser et à comprendre certaines choses par rapport à un objet. Et ma question porte en fait sur, est-ce que vous avez des références pour aller un peu plus loin sur la sémiologie grémacienne et donc quelque chose qui puisse me permettre de voir un peu en pratique les outils, comment les utiliser. Donc ça m'intéresse beaucoup. Merci. Il n'y a pas beaucoup de bouquins qui soient sympas à lire, simples, etc. Si vous voulez vraiment rentrer en profondeur, moi je vous conseille Courtès, Grémas et Courtès. Mais là, c'est vraiment revenir aux sources de tous les outils. Ce n'est pas de la vulgarisation, je dirais. Donc, mais bon, en tant qu'universitaire, vous aurez moins de problèmes à rentrer dedans. Flosch reste celui qui a le plus écrit pour diffuser, donner envie, quelque part, de faire de la sémio, hein, au-delà d'un Barthes, d'un Umberto Eco ou de personnalités comme ça. Après, il y a des ouvrages qui commencent à apparaître en Angleterre. Jacques Fontanil, par exemple, à Limoges. À Limoges, il y a un gros pôle de recherche en sémio, l'Université des sciences du langage, qui est intéressant. Mais il y a la lettre des actes sémiotiques qui sont rattachés à l'école des hautes études. Il y a une chaire qui continue à publier régulièrement là-dessus. Mais je n'ai pas de bouquin magique qui résume tous les outils, etc. Voilà, moi, j'ai fait régulièrement des formations là-dessus et pour expliquer en un quart d'heure comment la sémio fonctionne. Et puis après, on passe plus de temps sur certains outils en fonction de ce qui intéresse les personnes. Mais je n'ai jamais publié. Je ne suis pas vraiment un type qui publie. Je suis assez déconnecté des milieux universitaires, à part quand j'y interviens. Enfin, je suis intervenant, pas prof. Ce n'est pas des rouages que je connais par cœur. Et par contre, je connais beaucoup mieux l'univers des praticiens.
donc des agences de design, des colloques de praticiens, etc. Et à ce titre, je ne vois pas de livre magique, malheureusement, à vous conseiller, mais entre un Flush, un Courtès Greimas, et en allant chercher à l'étranger, notamment en Angleterre, il commence à y avoir des choses et des gens qui font des cours. Hein. Chris Arning commence à faire des choses intéressantes. SemioFest, j'espère, va bientôt lancer une école aussi. Donc voilà, ça, en termes de pédagogie, moi j'ai commencé, hein, il n'y avait pas de cours sur la Semio. Maintenant, on commence à en avoir pas mal. Merci beaucoup. Merci. On a Magali. Oui, Hébert, oui. D'accord, ok. T'as vu le. Ok. Canada, au Québec. Très bien. Alors, Marine, si vous voulez intervenir sur la question comment valoriser cette discipline auprès des clients. Bonne question. Alors, oui, pas toujours très réceptif, pas toujours le temps, pas toujours le budget. Mm-hmm. Alors, mon grand conseil, ça fait plus de 20 ans que je vends de la Semio et que j'en vis très bien, c'est que je ne parle pas de Semio au moment où je parle de ce qu'on pourrait faire. J'explique ensuite qu'on va le faire grâce à la Semio, mais je parle de ce dont le projet a besoin. Par exemple, il y a des boîtes d'assurance. Aujourd'hui, si l'assurance n'était pas obligatoire, personne ne s'assurerait. D'accord ? Personne ne rêve de s'assurer pour des fuites d'eau, etc. Est-ce que ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'être rassurés ? Non. Donc, si les assureurs, par exemple, voulaient vraiment offrir des prestations, des services qui permettraient de rassurer les gens, en termes d'innovation, il y a un boulevard, il y a plein de choses à faire. Mais pour ça, il faut commencer à comprendre qu'est-ce qui fait peur aux gens, qu'est-ce qui les rassure, et du coup, sur quoi on pourrait être rassurant. Et après, quelles sont les modalités, etc. Donc, quand vous discutez avec un assureur et que vous leur dites « Ouais, mais, ok, si les gens n'étaient pas obligés d'acheter des assurances, votre marché s'écroule. Pour autant, ils ont l'air d'avoir peur à un certain nombre de choses. Donc, si on pouvait comprendre ces référents-là, ces codes, et à l'inverse, analyser aussi ce qui rassure, ça nous permettrait de trouver plein de pistes à injecter pour qu'on soit créatif en innovation, etc. Et là, votre client assureur, il va dire « Oui, effectivement, mais tiens, c'est vrai que l'érosion des valeurs de la République, l'évolution du climat, mais il va vous dire, mais moi, je ne peux rien faire là-dessus. Moi, je vends des polices d'assurance. Peut-être pas. Commençons déjà par identifier ce qui fait peur, ce qui rassure. Et on trouvera sans doute des modalités qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites actuellement, mais qui permettent bel et bien d'apporter des réponses à des peurs potentielles. Mais du coup, comment tu fais, Samuel, pour rencontrer ces clients sans te présenter en tant que sémiologue? Alors, en général, moi, je fais partie d'équipes qui travaillent sur des projets d'innovation. D'accord. Tu es intégré dans une équipe qui va… On m'appelle, je ne sais pas, pour les JO, une grande marque, une marque de luxe, etc., en disant, voilà, on a besoin d'évoluer, d'être plus cohérent, est-ce qu'on maîtrise les bons codes, etc. Et là, ils attendent de la Semio. Ou bien la question, c'est, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nouveau sur notre marché ou sur tel thème, etc. Alors, il dit, mais pour inventer des trucs nouveaux, il faut déjà qu'on comprenne quels sont les enjeux, les imaginaires qui influencent les gens par rapport à ce thème-là. Et du coup, on va analyser l'évolution de ces référents-là, je ne sais pas, de la féminité, si vous devez prendre un nouveau produit maquillage, etc. Aujourd'hui, donc on va analyser le contenu des sacs à main, par exemple des femmes, et puis on va analyser ce qui se passe en ligne quand on se décrit, etc. Et on va se rendre compte des nouveaux référents identitaires. Mais pourquoi ? Parce que ce sera difficile d'inventer un nouveau maquillage qui dit féminin si vous ne comprenez pas les nouveaux schémas de la féminité. Mais pour en arriver à cette évidence, je n'ai pas besoin de dire « je vous vends de la Semio ». C'est-à-dire qu'une fois dit « effectivement, on a besoin de ces nouveaux référents et on va faire comment ?» La solution la plus efficace et la plus économique que je connaisse pour aller analyser tout ça et tout cartographier, ça s'appelle la Semio. Ah bon ? Ah bon, d'accord. Et ça va me prendre combien de temps et en quoi ? Expliquez-moi vite fait comment ça… Ok, donc le coût du Big Mac, tout ce que vous voulez. Et vous venez de gagner 20 000 euros. J'exagère, mais globalement, l'idée, c'est ça. C'est de discuter des enjeux du sujet d'un client et de qu'est-ce que la Semio va pouvoir apporter. Donc, ça permet vraiment de rationaliser une analyse
Oui. Yeah. Et encore une fois, penser en quoi c'est. Enfin, moi, je me bats beaucoup culturellement et notamment par rapport au milieu universitaire pour expliquer que la sémio est une discipline user-centric. Parce que par rapport à toutes les autres sciences humaines, la sémio ne travaille pas en direct avec les gens. On travaille avec ce qui influence les gens. Sauf que ce qui influence les gens explique en bonne partie, c'est-à-dire leurs imaginaires, explique en bonne partie leurs usages. Et travailler toujours à l'échelle des usages existants ou de la prise de conscience qu'ont les gens sur ces référents-là, ça a une limite. Et à un moment donné, passer au cran au-dessus pour analyser les imaginaires et ce qui influence les gens, c'est primordial, ça permet de gagner beaucoup de temps et d'identifier toutes les pistes sur lesquelles on peut travailler. Et pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'expliquer, d'avoir vendu l'idée de « tiens, je vais faire travailler un sémio ». Mais par contre, vous le rendez évident en disant ben, « on va avoir besoin de ça ». Et si on avait ça, imaginez ce qu'on pourrait faire. Ben, effectivement, comment on fait? Eh ben, comparez-le. Si vous voulez le chercher avec d'autres méthodes, type sciences humaines, etc., elles vont avoir pour certains attraits. Mais après, c'est « ok, quel est le plus économique pour aller chercher ça à une échelle dont ça va pouvoir être utile pour le projet ?» Je suis très pragmatique et anglo-saxon à ce niveau-là. Moi, j'aime bien ce critère d'efficacité. Temps, budget pour nourrir et débloquer des projets. C'est tout le lien après avec justement avec le design où il y a aussi cette même démarche. Après, du coup, le designer a cette sensibilité-là mais n'a pas l'expertise et qui va très rapidement vouloir formaliser ensuite la solution à partir d'éléments qui sont donnés par le marketing, par un sémiologue, par des ergonomes, par la production. Pour ensuite concrétiser par un produit, tout à fait. Un service. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Valentin. Comment est-ce qu'on trouve les imaginaires qui influencent les gens? Eh bien, si je travaille sur la féminité, ok, dans les jeux vidéo, c'est quoi les jeux vidéo qui aujourd'hui traitent de la féminité? Est-ce que c'est forcément du gros bourrin armé et de la Lara Croft quand on a une version féminine ou une femme qui devient objet sexuel, etc. Est-ce qu'on a des mondes imaginaires où le féminin et le masculin sont gommés? Est-ce qu'on a, donc voilà, là je vous parle de jeux vidéo, mais pareil pour les séries, pareil pour des livres, des films, bien entendu. Pareil pour les marques, c'est-à-dire si je prends les dernières pubs, y compris dans la mode, etc., qui nous parlent de féminité, on en parle comment? Etc. Et je vais analyser tous ces référents-là, potentiellement des artistes qui travaillent sur le sujet, etc. Et pour montrer la diversité de représentation, mais il faut aller la chercher là où elle est, les imaginaires. Donc, se pose encore une fois la question de est-ce que je cherche en français, en anglais, en chinois, etc. pour aller chercher ces référents-là. Voilà, on va aller chercher là où ils sont. Pour ensuite les ramener, les concentrer, les cartographier et pouvoir expliquer. Avoir une carte de navigation quand on part en voyage et une innovation, un projet d'innovation, c'est toujours une sacrée expédition, ça aide. Donc le rôle du sémio, qui est un rôle de cartographe d'une certaine façon pour dire ben, voilà les obstacles, voilà où il y a des zones qui ont l'air un peu plus faciles, voilà où on peut aller, c'est très utile d'en avoir un dans une équipe projet. Pour former une bonne équipe, ouais, on va voir ce sémio. Super. Juste une dernière question pour moi. Le design fiction, c'est des choses que tu utilises ou c'est pas un outil que tu utilises? Si. J'aime beaucoup analyser tous les boulots d'étudiants. Et le design fiction, c'est des choses qui n'existent pas encore, mais ça révèle un imaginaire. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, moi, je ne me contente pas de choses qui existent. Des travaux d'étudiants, de la fiction en général, mais du design, mais comme de la science-fiction, c'est toujours nourrissant. Parce qu'en termes d'imaginaire, ça révèle là où on en est. Ouais. Et là où on peut aller. Exactement. Ou là où on ne peut surtout pas aller. Des enjeux de dystopie, d'utopie, etc. Moi, je me bats. Je rêverais de cartographier toutes les utopies qui existent parce qu'on entend souvent le fait qu'il n'y en ait plus. En fait, il n'y en a jamais eu autant. Donc, la difficulté est de voir quelles sont celles qui sont dominantes pour servir de cap. Mais analyser toutes les utopies actuelles, c'est passionnant. Donc, il faut aller chercher dans les imaginaires. Parce qu'il y a des projections d'ailleurs un peu auto-réalisatrices du coup, mais qui vont dans des impasses de produits parce qu'on va développer des produits qui vont finalement pas rencontrer le marché. Pourtant, c'était quelque chose dans lequel on s'était projeté. Et après, il y a la limite environnementale qui va en plus, qui amène une autre contrainte qui va à l'encontre de certaines projections. Ouais.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Samuel. C'était super intéressant. Donc, n'hésitez pas à directement contacter Samuel si vous souhaitez, bien sûr, avoir plus d'infos sur la Sémio, voire peut-être être accompagné, ou revenir vers nous au Design Spot. Donc là, voilà, vous serez les bienvenus pour voilà, si vous avez besoin d'informations sur la partie design. Juste, je fais un petit rappel pour terminer sur nos prochaines sessions. Donc, session design et propriété intellectuelle le mois prochain et design et fabrication additive. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Samuel. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt.